Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Mais, bah, mais quoi? Mais va, allez vous faire enculer! Allez vous faire foutre! Je vais vous enculer tout seul! Aïe. Je vais vous baiser tout seul! Tu vas finir comme tes copines! Oh là, c'est comment tu vas finir? À côté aïe. De ta copine, aïe. Allongée! Mais tu fais quoi? Je l'aide un peu! Non, je l'aide! Voilà, reste seul, Carter, on a pas besoin de toi! Aïe! Reste seul, Stinger, toi aussi, on a pas besoin! 3v1! Ah, 3v1! Ah. Mais vous êtes fous! Ah! Ah, j'ai gagné! J'ai gagné! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hein? C'est quoi le problème? Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans un bug, les gars! Je suis dans un bug! Je suis dans un bug, wesh! On a totalement laissé faire! Je crois qu'on a trop de kiff. Si, t'inquiète. Ah ben, y'a des EMS, c'est bon. Ah, nickel, impeccable. Ah. C'est pour nous. Naro et Billet, les Duarty nous ont agressés. Ah. Eh, les Afro-Américains, toujours pareil. Toujours arrêtez pareil, d'agresser. Les Afro, voilà, c'est ça, mais c'est non, vrai ça. Yuri, oh, tu Yuri, peux pas dire ça, abuse. Non, mais c'est la Yuri. Vérité, camarade. Tout le temps, c'est les Afro qui agressaient les autres. Pourquoi? Pourquoi mais, vous faites ça? Mais regarde, tu mens, Yuri, tu mens. Regarde où ils sont tombés, dans mon quartier. C'est comment c'est moi, je les agresse et eux, ils sont venus. Non, regarde, il y a un Zwart aussi là, regarde. Mais c'est normal, il est chez lui, le Zwart. Putain, ouais, il est chez lui, ouais, c'est vite dit ça. Vous avez fait quoi? Vous avez bagarré? Ouais, ils se sont battus là. Des coups de poing dans la gueule, ils se sont mis. Il s'est battu avec qui? Tout le monde, avec tout le monde. Ouais, c'est le... normal, c'est quotidien. Ouais, c'était un peu ça, ouais. C'est les gamins, bien sûr. Bien sûr. Oh non, ils ont perdu. Je vais donner à vous un petit pommade crème sur le visage. Faites attention, c'est des voyous ces garçons-là. Ouais, ah, bah oui, ils sont dangereux. Regardez le chauve comme il est. Pour les blancs, ils donnent pommade et crème, mais pour le noir, il va dire on va l'embarquer. On merci, va monsieur le doc. Non, ils vont lui donner du bisap. Attendez, lui... je vais payer avec l'espèce, j'ai pas d'espèce sur moi, mais doc. C'est pas grave, on s'en fout. Lui, on va devoir l'emmener, hein, pas parce que. C'est comme ça, Yuri. Hein. Oh. Bah, c'est. Mais c'est, je connais ses parents, celui-là. Parce que je sens. Putain, il y a tout le monde qui m'a appelé hier, là. Monsieur, sympa. Ouais, moi aussi. Mais wesh. J'ai 20 appels, wesh. Dober. Menbro, regarde. Menbro. Ça va, écoute, tranquille. Ouais, ça va, tranquille. Je vais t'envoyer une position, ramène-toi là. Y'a. Devine. Y'a quoi, y'a quoi? Y'a des putains de chinois là, aux yeux bridés là, qui nous ont dit que Chang Yatong c'était à eux et qu'ils se reprennent à faire la guerre. Si on. Ils voulaient pas nous laisser vendre sur leur territoire. Je sais pas ce qu'ils me racontent, tu connais ces histoires, moi je me débrouille pas dans ça, moi c'est la bagarre. Vas-y, bah envoie-moi une pause, t'es pas en otage. Oh la position. Mais non, t'inquiète pas, je discute avec ces gentils monsieur. Vas-y. Vas-y. A plus tard les Zwart, hein. Merci beaucoup, ouais, monsieur le MS, vous êtes un bon. C'est un bon. Pas un Zwart, moi. Tout l'arrière, on te le stérilise. Vas-y, viens. Viens, allez, se casse. On doit aller voir Dober, là. Faut choper une chope. C'est qui, ça, là-bas? C'est qui le mec, là, qui prend des photos, là, à l'intérieur? Dans le bar. Ouais, mais je sais pas. Ah, c'est lui. C'est celui. Putain, j'allais faire une dinguerie. Il est où, Dober? Dober, il parle avec des Asiates là. On va aller le voir. On s'arme ou pas? Ouais, armez-vous. Viens, Sully, viens avec nous. J'ai un minerai de l'autre côté. Vas-y. Allô? Allô, Cho, comment ça va? C'est Rupert. Mais ça va très bien et toi? Cool, ça irait mieux s'il y aurait moyen d'avoir du stock. J'ai de l'argent à dépenser, Ocho. J'ai du fric. Eh ouais, je sais, mais je pense que comme tout le monde, il y a tout le monde qui a du fric à dépenser. Mais je sais pas si t'as vu un peu dans le Breaking News. Non, j'ai pas vu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le FBI qui... Avec les douaniers qui ont intercepté notre marchandise. Ah ouais, ok.
On a quand même pour une valeur de plusieurs millions de dollars qui sont partis en fumée. Ah putain, ça fait chier ça. Mais c'est la merde. Actuellement, c'est une pénurie un peu pour toute la ville. Ok, bon, si tu es au courant, vas-y. Désolé, mais bon, j'y peux rien. Ok, vas-y. Et vas-y, frère. Bonsoir, comment ça va? Comment est-ce? Ça va, super. Enchanté. Royamoy, je m'appelle Rupert. Rupert Van Dongen. Je suis son cousin, lui. Tenté, Rupert. Tenté. Bon, je viens te voir. ADN, merci pour le troisième mois. Je vais te parler de quelque chose. Ouais, dis-moi. On est arrivé en ville il y a quelques années et on n'avait pas le statut qu'on avait aujourd'hui. Je sais pas si c'est toi ou un de tes gars. On t'entend vraiment mal. Ouais, tu peux parler plus fort, chef. Vous avez attrapé un japonais, vous vous rappelez? Ouais, je m'en rappelle, ouais. Voilà, je tenais juste à vous dire qu'on vous laisse le bénéfice du doute. Merci beaucoup. Nous, on a la capacité de vous fournir des sauces, des armes, des machettes, ou voilà, on peut travailler ensemble, mais par contre, on ne tolérera pas que tu attrapes un autre Yakuza. Ok, d'accord. Moi, t'es la première et dernière fois que tu me braques. C'est toi que j'ai braqué. J'espère avoir été clair, parce que moi, si je te braque, c'est une balle dans la tête qui va atterrir. Ça t'aura pas. Doucement, sur les menaces, pas comme ça. On atténue les choses, je vous le dis tout de suite, chef. Moi, je te dis un truc, moi, tu as atténué les todes, moi, je te dis que t'as pointé le thème des Yakuza. Certes, tu n'étais pas conscient à cette époque, c'est pour ça qu'on est en train d'appeler les choses. Mais maintenant que t'en es conscient, je ne laisserai plus refaire ce genre de choses. Non, mais ça, y a pas de problème. Le truc, c'est que si on a fait ça, c'est qu'il y avait des choses, d'accord? Et c'est tout. On vous connaissait pas. Nous, on est sortis de prison. Le fait c'est que Chinatown est à nous. Ah, mais ça, Chinatown est à vous. Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Vous le dites comme ça, haut et fort, mais... C'est pour ça qu'on vient te le dire. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, du coup. Mais bien avant sûr, ça, dans le contexte, comprenez bien que moi... Je suis pas au courant de tout ça. Mais mon ami, Koyada, et tu viens d'où, toi? Moi? Je viens des Pays-Bas, moi. Rotterdam, Hooligan Feyenoord. D'accord. T'as fumé beaucoup de drogue, là-bas. Mais là, tu habites où, dans ce moment? Là, on est coincé ici, nous. On est coincé dans le Queens, à New York. D'accord. Et du coup, t'es coincé dans le Queens et tu pouvais te permettre de venir à Chinatown et tirer ton quelqu'un qui vend sa drogue tranquillement? Waouh. Bon, les gars. J'ai l'impression que la tension est en train de monter, d'accord? Aucune tension, mon ami. Non, mais calm down, brother, ok? Ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que ça s'est passé. Tout ça pour des armes, les gars. J'en sais rien, c'est qui? Calme-toi, ils vendent des armes. Wow. C'est qui, toi, putain? C'est le mec masqué, hein. J'en sais rien. Je sais pas qui c'est. Vous les connaissez? Non, bro, ils vendent des barretas. Prends-le. Dans tous les cas, on a fini. On se donnera rendez-vous plus tard. Dans tous les cas, on est venu pour appeler les choses, maintenant tu t'es couronné. Et vice versa. Ah bah c'est parfait alors, on se sait maintenant, comme on dit dans le jargon. Si t'as besoin de fourniture, tu m'appelles. Bah je t'appelle pas, là je te le dis tout de suite là. J'ai besoin de fourniture, ouais. Qu'est-ce que tu te fais dans quoi? Des armes à feu. Putain, mais tout le monde me demande, c'est pareil, mais on a tout vendu là, que dalle. Là c'est rupture des stocks. Ah vraiment, putain. Le fourniteur il va arriver cette semaine, là. Je tiens au courant tous les clients. Vas-y, envoie-moi ton numéro déjà alors. Tu l'as déjà, c'est Rupert toi. Ouais, mais laisse-moi un message, du coup. Ouais, je t'envoie. Avec ton nom. T'inquiète, oui. Allez, je te donne le nom. Vas-y. Vas-y. Et les messieurs, ils voulaient savoir sur quel type de business on était, alors. Je leur ai pas dit, hein. Mais voilà, si tu veux les informer de ça. Ouais, d'arrive. Ouais, on peut les informer, hein. Nous, on contrôle la cocaïne. On m'a pas envoyé ton numéro. Ah ouais, merde. Ouais, attends, je t'envoie, je te le renvoie. Tiens. Moi, t'es brosse. Exactement. Ouais, que dalle, on doit y aller. Et on te tient au courant dès que le livreur il est arrivé. Ok, on fait comme ça. Super. On souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas, quand Kumo dort. Ouais. Allez. Salut. Ouais, salut. Oui, allô, bonsoir. Ici Andrew Peterson, employé du Buckstar.
concernant la j'attendais votre appel. Oui, bien sûr, j'attendais votre appel. Du coup, est-ce qu'on peut passer pour faire un état des lieux et de voir un petit peu la sécurité qu'il y a au musée? Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis actuellement juste devant avec mes chers comparses. Je vous attends. D'accord, d'accord, pas de problème. Bah écoutez, on va passer là dans les 10 minutes qui suivent. Très bien, à tout de suite, je vous attends. Ok, merci. Bon, tu prends des photos de tout ce que tu peux, ok? Ouais, ouais. Mets pas ton masque là, il est absurde ce masque comme ça, je te jure. Bonsoir. Bonsoir monsieur dame. Je suis vraiment désolé du retard, on a eu un tas d'interventions là dans tout New York, il y a des rats partout. Voilà, vous voulez que je vous dise. D'accord. J'ai une petite question, monsieur. Vous avez une moto, c'est pour faire quoi? Rouler sur les rats? Je ne comprends pas. Non, la moto, justement, en fait, c'est parce que... Ouais, en fait, là, à l'arrière du camion, on est chargé, surchargé d'outillage. Du coup, d'accord. On a pris son véhicule personnel pour se rendre sur cette intervention. Mais d'accord. Pourquoi? Non, non, je trouvais ça assez cocasse de vous voir arriver avec un camion de société et une moto, quoi. Pas de problème. Mais madame la directrice... Vous êtes directrice du musée, d'accord? Exactement, tout à fait. Et non pas de notre compagnie. Alors nous, on va juste faire notre boulot, et puis on vous laisse tranquille. Ok. Ah, c'est une belle réponse. Vous voulez que je vous destitue de vos fonctions, vous, monsieur, peut-être? Non, mais madame la directrice, j'ai quand même le droit d'émettre un simple avis sur la situation, y'a pas de problème. Non, on est là pour bosser, d'accord? On est à New York, il fait beau. Nous, on veut juste finir notre journée tranquillement. Allez, venez, les collègues, là. Bon. Alors, comme vous pouvez voir, nous sommes actuellement en rénovation. Vous êtes en travaux, ouais. Tout à fait, parce que bon, voilà, on a pas mal d'œuvres d'art qui arrivent et on est obligé d'agrandir un petit peu. Du coup, malheureusement, comme vous dites bien, si bien, les rats envahissent New York. Il y en a un peu partout. C'est ça. Donc, écoutez, il y a pas mal de locaux. Je vous laisse faire le tour. Si vous voulez, j'ai petite un question de mes... rapidement. Je les accompagne vers les rats. Les premiers rats que vous avez rencontrés, là, ça date de quand? Alors, ça date d'il y a environ bien 3 semaines, 1 mois. J'en ai vu un. Et le lendemain, ils étaient déjà 12. Donc, du coup, ils prolifèrent assez rapidement. Ça va vite. Va falloir vraiment traiter l'espace correctement, d'accord? Il y a plusieurs pièces où ils aiment se cacher. D'ailleurs, on connaît notre travail, on sait que c'est infect. Ils vont rapidement. C'est surtout qu'on a des œuvres de valeur, de grande valeur ici, vous savez, qui valent des millions de dollars. Donc du coup, je ne peux pas me permettre qu'ils soient dégradés par cette vermine, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Ok, voilà. Eh ben, écoutez, nous on va faire en sorte que ce lieu soit clean pour que voilà, les personnes qui ont envie de venir ne rencontrent pas des rats. Ouais, putain. Oui, s'il vous plaît. Bah écoutez, vais laisser mon cher... Pas de problème, madame. Pardonneur, vous montrer. Montrez-leur bien la zone où il y a les nouvelles... Les nouvelles œuvres d'art qui ne sont pas encore exposées, mais qui seront bientôt amenées à être exposées, d'accord? C'est là-bas où il y a beaucoup de rats. Bah oui, alors heureusement, nous avons encore mis des cartons, des boîtes en bois pour les protéger, mais ils rongent ces bâtards, comme disent les jeunes, ils rongent. Oula, madame la directrice. Excusez-moi, je me suis emportée. Oui, c'est normal, c'est les rats, Oui, bah écoutez, les rats vont mettre à mal mon entreprise, vous comprenez bien. On comprend, on est là pour ça, vous en faites on pas. On est là pour ça, vous inquiétez pas. D'accord, on est une bonne équipe de bosseurs. Je vous laisse faire le tour, si vous avez besoin, n'hésitez pas vraiment. Hein. Ok. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir, merci, je m'en occupe, ne vous en faites pas. Merci bien. Ah putain. Les rats, ils ont tellement des griffes dures, si je puis dire, qu'ils peuvent même gratter du béton. C'est quand même incroyable. Hein. Vous l'appréciez pas trop, là, la directrice ou quoi? Non, je l'apprécie, mais bien, je l'apprécie de toute mon âme. C'est quoi ici finalement. C'est fermé ici? Ah oui, ici c'est fermé, là on est sur une nouvelle salle de rénovation, mais il y a eu 2-3 autres qui ont été rongés. Faut que ça soit clean à l'intérieur, d'accord. Faut que ça soit propre, c'est pour ça que ça se développe. Okay. Tout à fait. Bon, normalement, on a un cas à l'étang, là, à côté du Sphinx. On a eu un cas d'invasion là,
Malheureusement, ils arrivent à ronger n'importe quel matériau aujourd'hui. Je sais pas leurs griffes, elles sont faites en quoi, mais je me pose la question. Bah écoutez, nous savons pas aussi, hein, mais ce qu'on sait, c'est que c'est vrai qu'ils ont. Ils ont accès à ce qu'ils ont envie, hein. Je vous mens pas. Ah, donc justement, derrière ces œuvres, on a eu des rongeurs qui ont fait des trucs. Prenez en photo les endroits où ils sont très infectés, les gars. Et vérifiez un peu. C'est de salope de direct. Ok, derrière tout ça. Par là, vous m'avez dit, hein. C'est ça, par là, oui. Juste derrière les deux œuvres, là, actuellement. Et on a aussi, du coup, derrière ces magnifiques vases, hein. Donc, je ne connais pas l'époque préhistorique ou autre, hein. Vous savez, je suis pas calé en musée, je suis calé en sécurité, moi. Bien sûr. Mais donc, ouais, ici aussi, dans cette zone. Dans cette zone-là précise, au niveau des coins, principalement des coins. Je m'occupe de noter, quand même, ça s'étend même jusqu'au plafond, hein, par moment. Ok, d'accord. C'est de la mort aux rats, ça en a tué un, deux, trois. Est-ce que au-dessus du plafond, c'est un espèce de grenier, il y a quelque chose au-dessus? Ah, il y a un faux plafond. Un faux plafond. Là où ils arrivent à s'immiscer, c'est forcément là. C'est très compliqué, hein, parce qu'on va devoir intervenir. On n'a pas l'argent pour rénover, on n'a pas l'argent. On ne veut pas mettre l'argent. C'est différent. Vous savez, de toute façon, monsieur, au plus on a de fric, au moins on veut en dépenser. Ah, je suis plusieurs traces d'excréments à noter dans la carte là-bas. Ok, excréments, bon, normal, ils chient partout. Suivez-moi, avançons, on va aller dans les galeries. Yeah. La prochaine galerie, elle a été épargnée parce qu'on est sur du marbre au plafond, donc forcément. D'accord. Au niveau de. Dites-moi. Au niveau des entrées principales du bâtiment, est-ce qu'il y a des accès complètement ouverts? Parce que. Faut savoir que les rats viennent de l'extérieur avant tout. Bien sûr. Si le musée n'est pas isolé, vous comprenez bien que c'est compliqué. Ah, bien sûr, alors il me semble qu'il y a un sous-sol, mais il n'y a pas d'entrée outre les portes principaux par lesquelles vous êtes passé. Ok, d'accord. Donc normalement, il n'y a pas de sortie annexe. Ce qui fait que c'est aussi pour la volonté de sécuriser le lieu, hein, de faire qu'une seule entrée. Ouais, bien sûr. Voilà, donc là, on ressort du marbre. Au niveau de ces trois statues-là, là par exemple ici. Vous avez dû protéger les trois statues là? Ah, la petite trappe, ouais. La trappe à incendie, malheureusement, elle a pas fait défaut. Hein. Il va peut-être falloir la recombler en béton ou ciment, du moins. Ah, je pense qu'il faut la fermer de toute façon. La ferraille, tout ça. Ouais, je suis d'accord. Non, mais la resécuriser pour qu'elle soit vraiment qu'une trappe à incendie et pas une trappe à rat, quoi. C'est votre boulot, hein. Je vous fais confiance, messieurs. On note tout. De toute façon, aujourd'hui, on va rien faire. On va rien faire explicitement, d'accord. On va juste prendre tout ce qu'il faut, des notes, etc. Et puis ensuite, on interviendra dans les jours à venir, d'accord. Pas de problème, je comprends tout à fait. Hein. Vous avez des équipements à prendre, vous avez pas de 20 000 camions, je comprends. C'est ça. Ok. Et là, on est dans la salle où c'est un carnelage, hein, parce que le plafond a pas été refait. Vous voyez, c'est d'accord. Le carnelage. Hein, ouais, d'accord. Et donc là, on a l'arrivée de nouvelles toiles. Vous avez dû... D'accord. Italie, Gale, de célèbres musées qui nous ont envoyé leurs toiles. Eh ben, c'est chouette, hein. C'est chouette. Vous avez des beaux trucs, hein. Ouais, c'est vachement sympa. Vachement sympa. Ça vient tout droit d'Italie, ça, putain. Oui, c'est ça. Ça vient tout droit du pays de Galles aussi. Ok. Des peintures. Moi, j'y connais rien à l'art, hein. Je vous mens pas. Alors, t'en faites pas moi non plus, hein. Je connais 2-3 noms parce que forcément, à force de travailler ici, on commence à y être. Ok. Il me semble que dans le tas, il y a la Madone, si vous connaissez peut-être fin de l'art. Franchement, je suis pas du tout fervent moi. La Madone, d'accord. Ok. Ouais, regardez sur internet, vous savez, Google est votre meilleur ami. Hein. Ouais, bien sûr. C'est bon les gars ici, t'es clean, qu'est-ce qu'il y a là? C'est bon. Des excréments encore une fois et beaucoup de traces de griffures. Beaucoup de traces de griffures, donc à mon avis, ça cherche à re-rentrer dans les combles. Ça loupe pas, malheureusement. Ouais, de partout, je pense. C'est un bordel. Voilà, donc là, on va repasser les collines en marbre, et puis là, on va arriver au canon, qui est le dernier endroit où vraiment on a eu des cas de rongeurs majeurs. Vous avez un sous-sol, monsieur? Ouais, il me semble que j'ai un sous-sol, je vais voir s'il est en rénovation ou non, je vais vérifier. Tu peux aller vérifier? Combien de temps vous faites ce taf, ce boulot, hein? Ce boulot, une paire d'années, hein, je vous mens pas. Moi, des pros, c'est ça. Je suis chef d'équipe actuellement et. D'accord. Et moi, je suis le petit apprenti. C'est ça. Il y a des gens qui viennent arriver ici au niveau des stèles, hein, écrit en hiéroglyphe. Il y a eu deux trois rongeurs qui ont gratté dessus.
Ah, ils ont abîmé carrément le... Il y a eu des dégradations, il y a eu des dégradations au niveau des hiéroglyphes. Il y a quelques-uns qui sont illisibles maintenant, malheureusement. Ça met à mal la réputation du musée, hein. Ah, écoutez, c'est la directrice, hein. Écoutez, elle a pas voulu mettre les fonds, elle a voulu rénover mal, on va dire, et à bas prix. Bah voilà ce que ça en coûte, hein. Que je vous dise. Je comprends, c'est toujours comme ça. De toute façon, les riches, ils sont... On prend rien, en plus, on est payé au lance-pierre. Enfin bref, le classique, quoi. Ça fait longtemps que vous bossez ici au musée, vous bossez un peu partout. Ça fait 5 ans que je suis muté au musée. Ouais. De base, je travaille pour la société que vous voyez sur ma casquette, hein, c'est le Six Security, mais okay. Le problème, c'est que je suis un peu muté de temps en temps, mais là, ça fait longtemps que je suis ici. Je m'y plais bien, on va dire, c'est tranquille, ça m'évite de trop me mettre en danger. Hein, c'est vrai que c'est un coin tranquille, hein. Un musée, c'est la planque, comme on dit. Ah, ça, c'est la planque, hein. Vie de famille, tranquille, en fait, on est des enfants, des marmots, etc. Ok, d'accord. Est-ce que c'est... Allez-y, je vous laisse accéder. Ok. On est au sol. Je pense que malheureusement, c'est là d'où viennent les principaux problèmes. Hein. Je pense bien. Je vous mens pas que le sous-sol, c'est le... Ah, regardez l'état délabré de l'endroit. Hein. C'est hyper humide. Je vous ai dit, la directrice, elle prend soin uniquement de l'extérieur. Hyper humide. Waouh, c'est vraiment dégueulasse, ouais, c'est vrai. Et puis, il y a le moins de personnes qui viennent là la journée, donc du coup... Ils sont dérangés. Eh oui. Ok. Tableau électrique ici. C'est ça. Ok. J'ai l'impression que là, derrière ces murs-là, il doit y avoir des trous parce que c'est pas normal de mettre ce genre de matériel devant des murs solides. Hein. Ils ont fait ça à l'arrache. C'est du sale travail. Hein. Ah, on a un sale travail. Hein. D'accord. Écoutez, cette pièce-là va devoir être bien, bien rénovée. Hein. C'est, je pense, le principal problème de l'arrivée des rats. Ah ouais, c'est ça. Après, je vais voir s'il y a peut-être les autres sous-sols. Dis-moi, collègue, il y a les autres sous-sols. Ils sont condamnés ou pas encore? Est-ce que vous leur avez montré le quai de chargement, monsieur? Nous y allons, madame la directrice. Madame la directrice, il y a plein de choses qui vont pas dans le musée. Hein. Il va falloir investir des sous. Hein. C'est prévu. C'est ouvert là-bas, en face. Il va falloir mettre la main dans le portefeuille, ouvert, hein. Madame. Je vous dis la vérité, il y a des problèmes d'insalubrité. Au niveau du sous-sol, et c'est de là principalement d'où viennent les rongeurs. Quelle honte. D'accord. Ça veut dire que j'aurais beau nettoyer les pièces où vous les avez vues, le vrai problème c'est d'en bas. Bah écoutez, de toutes les manières, j'ai les moyens de faire appel à une entreprise pour assainir tout cela, donc c'est pas un problème. Disons que vous êtes la première étape, on va dire ça comme ça. Bah voilà, pas de problème, ok. Le kit chargement. Donc voilà, c'est par ici qu'arrivent les œuvres d'art les plus importantes. Ils sont vérifiées. Avec tous les cartons à bouffer. Ah ouais, ok, d'accord. Et ensuite, vous avez l'accès au quai de chargement qui mène directement sur l'extérieur. Donc du coup, ces petits sacripants peuvent rentrer et sortir comme bon leur semble. Regardez. Et le portail, il est défectueux, pour pas que vous le fermiez, madame la directrice. Eh bah écoutez, là, je vais vous faire... Il est défectueux, madame la directrice, ça fait 6 mois que je vous le dis. Hein. Écoutez. C'est bien juste. Hein. Ok, d'accord. J'ai dû partir pendant pas mal de temps au Pérou pour récupérer toutes les œuvres d'art. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de tout cela, d'accord? Vous savez très bien que ça fait très peu de temps que j'ai repris la main sur ce musée. Je fais ce que je peux. Moi, je fais mon boulot. Hein, j'imagine que... Vous faites vos tâches correctement, madame la directrice. Du coup, pour vous faire un petit topo, d'accord? Dites-moi tout. Principalement, c'est d'ici dont viennent les problèmes, le sous-sol, qui ensuite débouche sur le premier étage. Moi, ce que je veux vous proposer, c'est un second rendez-vous, d'accord? Du coup, jeudi. Jeudi, un petit rendez-vous où on aura beaucoup de matériel à décharger. Du coup, le quai, j'allais vous dire de le laisser ouvert, mais bon, il reste ouvert, hein. Oui, tout à fait, pour l'instant. Elle est bonne, celle-là, monsieur le directeur. Elle est bonne. Hein. Du coup, jeudi, on repassera avec du matériel qu'on fera passer ici directement. Hein. C'est avantageux, qui est inquiet. Très bien. Et puis, bien sûr, on fera en sorte de dératiser tout ça, faire notre travail. Ça prendra même 30 minutes. Bien. Ça tombe bien, jeudi, il y a un meeting de prévu, madame la directrice, en cas où... À quelle heure pour faire ça avant, du coup? Bien sûr, vous êtes tranquille pour le meeting. Pas de soucis, on vous transmettra les heures. Je vous transmettrai tout cela. Pas de problème, on fera ça avant alors, d'accord? Très bien. C'est super, y a pas de problème, avec plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez bien pris des notes pour tout et que vous avez bien tout décrit. Allez-y, messieurs, on vous remonte en haut. On va quand même à la sortie, vous n'allez pas sortir par là quand même. Pas de problème. Merci beaucoup. Tout est noté, putain,
La facture sera salée, madame la directrice. Oh, vous savez, je dépense sans compter, ce n'est pas un problème. Quelle menteuse. Mmh. Hop. Quelques petits accès pré-rebouchés au moins, tu vois, pour... J'ai bien compris, vous n'êtes pas assez bien payé. On verra ça à l'ouverture du musée, d'accord? Faut prendre la trouelle, Manuel. Bah, écoutez, non. Je me permets juste de réfléchir. Écoutez, j'entends bien toutes vos réflexions depuis tout à l'heure. Je ne me permettrai pas, avec tout le respect que je vous dois, madame la directrice. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que le jour de la rénovation, de l'ouverture du musée... Attendez, est-ce qu'on peut vérifier cette trappe ici? Parce que cette vidéo était infectée. Ils sont arrivés en retard, ils partent en retard. Bien sûr, allez-y. Le jour de l'ouverture, on reverra votre salaire à la hausse si tout se passe bien. Tout se passe bien, d'accord? Très bien, madame la directrice, ça marche. Ça commence à suffire, toutes ces réflexions. Pas de problème, pas de problème. Nous, du coup, on va vous laisser, hein. On a fait notre job. Oui, oui, pas de soucis, merci. Bien sûr, bien sûr, merci beaucoup. Bah allez. Allez, on y va, les gars. Merci à vous. Merci. Et puis à jeudi, du coup, hein. C'est ça, jeudi, ouais. Putain, c'est une chieuse. Une connasse. Salope. Par où la sortie, c'est à droite? Ouais, c'est là-bas, à droite. En tout cas, messieurs, j'espère que vous allez remettre ce musée d'aplomb et qu'au moins on va pouvoir être un peu plus en paix avec les rongeurs et pas d'autres types de rongeurs. Hein. Je parle bien des rats. Bien sûr, bien sûr. On vous mettra en paix, vous en faites pas. Ah bah écoutez, merci à vous, messieurs. Hein. Je compte sur vous. Hein. Pas de problème, merci à vous. Merci pour l'accueil. Et bonne soirée. Hein. Oh putain. Venez, on se barre, venez, on se barre. C'est New York, ça, c'est New York. T'as bien pas ma moto? Ouais. Devant. Attends. Bah ça devant eux. On se rejoint au dépôt. Sportel. Il a vraiment dit on se rejoint au dépôt là. Allô. Ouais. On voulait pas monter avec toi, il y avait la directrice devant là. Suis-nous. Ouais, j'ai vu, mais comme tu galères à monter, j'ai vu les braqueurs. Je me suis dit. Vas-y, on se donne rendez-vous. Je te suis, t'inquiète. Tu me suis là, vas-y. Une position pour le Queens. Tiens. Nickel. On va aller garer ce putain de véhicule dans une nouvelle. On va le jeter, ouais. Putain, vas-y, change-toi, il y a des affaires derrière là. Je me suis fait tirer dessus. T'as dit quoi? Nickel. Tu t'es fait tirer dessus? Ouais, par je sais pas qui. En gros, il y avait un. On est vers le quartier des CMB. Ouais. Et en gros, il y a une voiture qui passe comme ça, un Rebla noir. Il passe, il sort. Je sais pas ce qu'il voulait. J'étais en train de voler une chope. J'ai commencé à accélérer, il me tire dessus. J'ai il voulait quoi? Il t'a braqué? Il m'a braqué, il m'a dit t'es H4, toi, viens avec nous. Mais t'es con ou quoi? Je suis 8. Je suis blanc, quoi. Ouais, bah ouais. Il m'a dit. Puis il m'a laissé tranquille, j'ai commencé à le suivre un peu. Genre juste pour voir ce qu'il voulait. Il s'est retourné depuis sa caisse. Boum 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 boum. Il m'a allumé. T'as tiré dessus depuis sa voiture? Ouais, depuis sa voiture comme un fou. À un moment il avait plus de balles. Je suis passé à côté de sa voiture, je lui dis mais arrête de tirer sale fils de pute. Il a arrêté de tirer. C'était qui? Je sais pas. Attends mais c'est à côté de il, CMB, il était masqué le mec? Non, démasqué. Mais t'as pas reconnu c'est qui? Non, c'était un Zwart. Comment tu veux que je le reconnaisse? Attends, mais c'est qui ce fils de pute qui t'a fait ça là? Je sais pas. Et puis même t'as l'autre là, le mec qui m'a appelé il y a 2 minutes là, enfin. On était ensemble tout à l'heure là. Ouais. Il m'a dit, toi si je vais t'attraper, fils de pute, t'es mort. Un mec d'HK, je crois. T'as dit ça à toi? Ouais, il m'a dit ça à moi.
Attends, le mec là qui m'a dit ouais tu veux de la conso et tout. Il s'appelle comment ce mec là, dis-moi. Chez Bakary. Vas-y attends, j'appelle Opinel. Allô. Allô. Ouais Opinel, ça va? Ouais, ça va putain. Non, on est un Bakary chez lui. Ah, dis-moi, t'as un Bakary chez toi? Bakary. T'as un mec qui s'appelle Bakary ou pas? Ouais, c'est mon petit frère, ouais. Qu'est-ce qu'il a appelé mon cousin Dober pour lui dire qu'il va le péter là? C'est quoi le problème? Mais non, mais t'es fou. En fait, écoute, on l'appelle le petit menaçant. En fait, il menace tout le monde. Il menace tout le monde. Oui, je vais lui niquer sa grand-mère, lui, s'il continue à menacer tout le monde. Ah oui, bah, enfin, mais c'est pute, non? Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Dis-lui à Bakary qu'il se calme tout de suite avec les hooligans Feyenoord, putain, punel. C'est pas ok, tout de suite, je vais le faire. Vas-y. Allez, vas-y. Putain. Allez, mec. Bon. C'est gigantesque, hein. Venez, on va parler dans le bar. Ça va quoi, Hugo? Tranquille? Bon, les mecs, je vous explique, là, je vous la fais simple. J'avais réussi à dégoter hier soir le contact de la directrice du musée. On a fait en sorte qu'on était... On s'est fait passer pour des dératiseurs pour pouvoir un peu prendre des infos là-bas. J'ai cru comprendre justement qu'il y avait des trucs de haute valeur. Entendez? On t'écoute attentivement même. Je vais vous enculer, bande de bâtards, là, vous foutez de ma gueule. Non, vraiment. Attends, attends. Ok. Bah ouais, mais exprimez-vous, bande de chiens, va. On dirait que je suis demandé. On ne savoure pas la victoire tant qu'elle n'a pas été acquise. Ouais, mais ok, bref, du coup, je vous explique. Là, jeudi, c'est-à-dire dans 2 jours, on va taper le musée. Il y a des trucs de valeur là-bas, il y a des trucs intéressants encore ce soir. Là, avec ce qu'on a fait, on a pu voir qu'il y avait des tableaux qui étaient bien gardés. Et il y aura un meeting. On va taper le jour du meeting. Voilà ce qui va se passer. Ok. Ok. Ce qu'on va faire, certainement, je suis en train de réfléchir encore, on va élaborer un plan là, soit ce soir, soit demain les gars. Ce plan il va pas se faire ici, on va se poser tranquillement à l'appart, d'accord, on va se réunir tous ensemble, on va faire un plan de A à Z. Jeudi, si vous me dites que vous êtes là et vous êtes pas là, je vous baise. Parce que chacun aura son importance dans le plan, ok? C'est-à-dire si vous estimez que vous êtes là, vous dites que vous êtes là à 100%. Une obèse, genre dans quel style? Genre tu... Dans le style, tu vois, où je prends mon calibre, putain d'Uber, je le pose là sur la table de bière et je fais ce que j'ai à faire. Ok, Mainbrur, je pensais que tu voulais me baiser en mode, je sais pas, me mettre sur la table et me mettre des coups, quoi. Moi, j'aurais bien apprécié, quoi, tu vois ce que je veux dire. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, d'Uber? Quoi? Hein? Ouais, le braquage, les gars. Du coup, on va élaborer un plan de A à Z. On va taper durant ce meeting. On a plusieurs solutions. Comme je l'ai dit, on en parle à l'appart et on se cale et on fait tout ce qu'on a à faire. C'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon. Yamener. Ok, parfait. Pour ce qui est des... Comment ça s'appelle là? Des tirs là qu'il y a eu là. Pendant le truc de Fight Club. Oui. Avant-hier, ok, ouais. Je sais pas vous, mais moi je vois pas 36 000 personnes qui auraient pu faire ça. Non, moi j'en vois 305 justement. Après moi j'ai une info. C'est quoi ton info? C'est que le russe a vu ce qui cachait. Le russe? Ouais, les russes. Les Pushinskaya. J'essaie d'appeler mais Pavel il est pas là, mais du coup faudrait essayer d'ouvrir. J'appelle lui maintenant là. Vas-y, appelle-le tout de suite. Appelle-le, demande-lui un rendez-vous par rapport à ça s'il a des infos. Indisponible. Je vais essayer d'appeler le chef. Indisponible. Bref. Si c'est bien, c'est bâtard. Parce que moi, mon doute se dirige vers eux au vu de comment ils voulaient prendre l'information. L'information de la pause. Comment ils cherchaient à gratter absolument, c'était quand, où, etc. Et qu'au final, on les a pas vus sur ce lieu. Hein. Ils devaient se battre contre toi. Il est pas venu. Ouais, ouais. Du coup, j'espère pour eux qu'ils sont pas mêlés à tout ça. Parce que je vous jure, les gars, on va récupérer ce qu'on a perdu. Et je vais les foutre à terre. Et je peux rajouter un truc?
Il y a 15 minutes de là, je les ai vus dans le Queens, pas très loin du labo. Quand ça? Là, là? Il y a 15 minutes, ouais. Ok, ok. Tant mieux, ça veut dire qu'ils sont là. Mais qui. Là, il faut une minute. Ils sont à notre portée. Ouais, donc, là, attendez, je vais prendre... Quand je venais de voir, là, 319, là, quand ça tirait. Je les ai croisés sur la route. Avec Sully. Et de toute façon, déjà, je dois l'appeler, là, pour savoir... Pour savoir comment ça s'appelle. La solution pour la fin de la guerre. Il nous doit de l'argent, ouais. Ouais, ouais. Il nous doit 8 000 $ plus la fin de la guerre. Je vais procéder comment, Rupert? Bah là, je vais l'appeler, déjà. Et je vais voir son discours. Je vais l'appeler devant vous, d'ailleurs. Il devait m'appeler hier. Il a pas essayé de m'appeler, en plus. Ok, il répond pas. Je vais appeler le pire. Je vais appeler Wesley. Il va me faire le monstre. On va devoir les taper, les gars. Je vous le dis. Bonsoir, bonsoir, Belexi. Ça va ou quoi? Allô? Allô, Wesley. C'est Rupert. Ça va? Ça va et toi? Ça va pas, non. J'ai pas reçu d'appel hier de votre part. Pourquoi tu devais recevoir un appel? T'es pas au courant? Non, du tout. Oh là là. Ok, pourtant, ok. Et l'ancien, il est pas là ce soir. L'ancien, oh non, là. Ça recommence. Du coup, l'ancien vous a pas tenu au courant de ce qui s'est passé? Non, il s'est passé quoi? Moi, je sais qu'il t'a payé une certaine sub, mais c'est tout. Ouais, il a payé la taxe. Et encore, il a pas tout payé. Il reste 8 000 $ à payer. Et vous deviez trouver une solution pour la fin de la guerre. Parce que c'est ce qu'il a fait, il a plié le genou. Je sais pas si t'es au courant. Non, non. Bah, et là... Ouais, dis-moi, là quoi? Attends, je t'entends plus. Moi non plus. Attends, je le rappelle. Bien vu pour la scène. Donc là, en gros, si je comprends bien, ce soir, je devais t'appeler pour te donner mon cul pour qu'on arrête la guerre, c'est ça? Wesley, tu vas pas recommencer. En fait, toi, j'ai remarqué, hein. Toi, tu fais non, tout du à tout, l'inverse c'est une question. De tonton, en fait. Non, j'étais pas au courant, c'est une question. Là, on devait trouver une solution, là. Tu devais m'appeler même hier pour trouver cette solution. Eh ben, j'étais pas au courant. T'étais pas au courant, d'accord. Ah, là, tu viens d'être au courant, là, à l'instant, du coup. Il y a un truc qui te vient en tête, Wesley, pour que cette guerre cesse. Là, actuellement, comme ça, non, du tout. J'en ai aucune idée. Eh ben, je me concerte avec l'ancien. Je viens chez toi et je te tire dessus ou quoi, putain? Mais Rupert, je viens de l'apprendre, comment tu... Putain, calme-toi, putain. Je suis énervé, Doober, je suis énervé, j'ai envie d'aller le chercher, là. Calme-toi, putain, calme-toi. Pose-lui la question à la gueule, c'est lui qui a tiré. Wesley! Non. Ça bug. Pose pas la question à la gueule, je veux. Ouais, Wesley. Allô, tu m'entends? Si, parce qu'il va potentiellement mentir, et si on a la vérité derrière, ce sera encore plus beau. Ouais, tu m'entends? Allô? Écoute. Ouais, c'est bon. Il est 23h18. Avant minuit, je veux une solution, Wesley. Putain, vas-y. Et tu me dois aussi 8 000 $! Je te dois rien du tout, vois ça avec l'ancien. Ach ton nerd. Kank Mooder, à tout à l'heure. Avant minuit. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, il attrape 99. Et on va les baiser, il cherche quoi, là? Les gars, je vous le dis. C'est avant minuit. Il fait pas ce qu'il a à faire. Après minuit, j'ai les canines qui poussent, les gars, je vous le dis. Non, je vais t'enculer, Doubert. Non, par contre, non. Non. Une fois, oui. Deux fois, non. Et encore une fois, oui, mitigé. Hein. Ok, bah, mais moi, c'est le Doberman. Enfin, je comprends pas. C'est cohérent avec mon truc. Putain. Eh, hey, mais ils se parlent pas ou quoi, ces bâtards de 305? Vraiment, du tout. Ah là, je sais pas, mais c'est bizarre. J'ai pas envie d'être dans leurs soucis internes, en vrai. C'est quoi, là, ce qu'il y a seul? C'est un masque, là. Non, mais je pense que t'as vu, en vrai, non, mais ils ont montré pas, leur niveau d'organisation et d'implication au sein de leur set, tu vois. Et bah, y en a pas. C'est bien drôle. Ouais. C'est simple, y'en a pas. Bon, les gars, en tout cas, si c'est eux qui vont tirer à Main Event, je vais tank leur Mooder. Vous comprenez, les gars? Je vais tank leur Mooder. Bah, bien sûr, on va tank leur Mooder. Tu crois quoi, toi? Bon, bref. Ça c'est fait, ok. Maintenant, faut vérifier là, si... parce que tu m'as dit qu'ils traînaient autour du labo. Ils traînaient vraiment autour, ils sont juste passés? Non, ils sont juste passés. Après moi, je les ai juste vus partir. C'est pour ça, j'étais... Il y a rien de fou. Hein. Ok. Quoi d'autre aussi? Et pour le capitaine? Ouais. Ouais, 100 000 $. Mais le truc là... Tu veux pas avoir un rendez-vous avec lui?
Non, c'était pas avec le. C'était qui devait avoir rendez-vous avec lui? L'ancien. Mais vous saviez que c'était pas le capitaine, le mec qui était à l'entrée de du Fight Club. Hein. Non, mais les gars, c'est mieux si on n'a pas de rendez-vous avec lui, je pense. Qu'est-ce qu'il t'a, toi? D'ailleurs, moi, je vais avoir une amende de 9 000 $ à payer, là. T'as 9 000 $ à payer en plus? Là, moi, j'ai payé la mienne. Il va me rendre. Non, non, comment? Attends, quoi? T'as payé la tienne? C'est qui a payé la tienne? Hein? Debout, c'est qui a payé la tienne? C'est qui a mis de l'oseille pour toi? C'est bon. Voilà, c'est l'argent de l'événement que j'ai sorti pour toi, gamin. Rassieds-toi, là. Tac. Bah vas-y, c'est tout, hein. Tout est fait, tout est réglé, là, par rapport à ça. Ouais? J'ai le... Comment ça s'appelle? D'accord. Le matricule du gars qui m'a tiré dessus. Le flic, là? Non, on le savait pas. Moi, je savais, les gars. 99 ce lit, je vois bien sa gueule, ce fils de pute, je sais très bien c'est qui. Mais pourquoi tu le dis pas, gros bâtard que t'es, va? Ça fait plusieurs jours qu'on... Allez, enculez-le, il veut pas comprendre. Allez, baisez-le. Il va sortir. Voilà. C'est bon, il sort pas. Kickez-le. Tiens, la prochaine fois quand on fait des choses, sois informé. Ah, il est où ce fils de pute? Ah, il nous fait pas une 305. Ça suffit, les gars, ça suffit. Bon, les gars, si on va faire une baston, là, je suis... Non, c'est bon. Dites-moi, bande de salopes, tous contre moi, là. Ça fait bien. Je vais le baisser. Bref. Vas-y, c'est bon. Y'a quoi d'autre là? Hier j'étais pas là, qui était là vous? Moi vite fait, je suis venu. Il s'est passé quoi? Je suis parti acheter des armes blanches. Ouais. Et j'ai croisé les Russes, ils peuvent nous faire de l'acide. Ils peuvent nous faire de l'acide? Ouais, ils ont de l'acide dans nos masses. Ah ouais? Ouais. Genre, il t'a demandé le prix de revente ou pas? Je crois qu'il m'avait dit 55 $ en bail commerce. Ok, ça va, c'est le prix des docks quoi. Comme ça, tu vois. Et après voilà, je suis parti. Mais je crois vraiment hier les 305 voulaient me choper, mais je suis pas sûr. Ok. Moi aussi j'étais là. Ah bah du coup, il y a eu quoi? Ben moi j'ai pas fait grand chose spécial. C'était juste pour vous dire que Rupert, là où t'as tes pieds, il y avait carrément une pétasse à genoux qui me suçait le clotezac. Voilà, c'était juste pour dire ça. Ah ouais? Ok. Bon, on va faire deux équipes là. Faites vos bails. Essayez de vous renseigner par rapport au. Au 305, si peut-être potentiellement ce serait eux ou non, d'accord? On a des doutes sur eux, mais ça se peut que c'est une autre équipe qui ait fait ça. Mais voilà quoi, à voir. C'est bon? Je sais pas, aller taper du Zwart ou pas? Ouais, bien sûr, on peut aller taper du Zwart. Yes, c'est normal ça. Il faut voir les Russes là, au plus vite. Ouais, ils répondent pas. Faudra faire en sorte de voir les Russes, c'est sûr. Quoi d'autre? Ouais, bah c'est bon, j'ai quelques appels à passer. Vas-y, faites vos équipes, les gars, c'est bon. Traînez en petit groupe. Ils ont une tonne 5, un truc comme ça. Ouais, Bobby. Allô? Ça va, tranquille? Ça va, quoi? Ça va, toi? Mais t'as une voix grave sexy, Bobby, qu'est-ce qui t'arrive là? J'ai de me réveiller. Attends, mais c'est quoi cette voix de fou là? Attends, il me fait bander là. Ouais, bref. T'es en train de me faire bander, Bobby là. Qu'est-ce que tu me fais, putain? Non, on va se calmer. Ouais, j'ai besoin de feuilles de coca là, il t'en reste? Il m'en reste, ouais. Combien? J'ai une tonne 2. T'as une tonne 2? Ok. Ouais. Est-ce que je peux te prendre 500 grammes? Vas-y. 0,5, 63. Et combien l'unité là? Combien je le fais à l'unité de 10 $? La feuille? Bah ouais, il est à gratos. Ça lui fait 5 000 $. 5 $? Non, t'es un raté, ouais, t'es un raté. Allo? Non. Ouais, ça a coupé. Ouais, tu m'as dit combien l'unité? L'autre, il voulait le faire à 5 $. T'en penses quoi, toi? 5 $. Vas-y, 5 $, je te les prends. Vas-y, nickel. On fait comment pour le déménagement? Je les apporte? Tac. Bah écoute, tu vas me donner rendez-vous. Ah ouais, toi, t'as pas de quoi transporter? Je peux prendre une dépanneuse. Bah vas-y, si t'as de quoi transporter, tu m'envoies une pause et moi je viens, je récupère tout. Sauf que je peux pas trop te transporter d'un coup. Bah tu fais ça en plusieurs fois au pire. Tu peux prendre combien? Vas-y.
Je peux en prendre 180 par 180. 180 par 180, ok, bah vas-y, on fait ça comme ça, c'est bon. Vas-y, on fait comme ça. Tu sais quoi, t'en prends... Prends-en 150, premier ouais. trajet, deuxième trajet, t'en prends 150, ça fait, je vais t'en prendre 300 ce soir, et demain, je te prends les 200 restants. Vas-y, on fait comme ça. Vas-y. Vas-y. Ok, maintenant, il faut comment ça s'appelle. C'était moi, je lui avais dit de les vendre à 5$ les feuilles, les mecs au triangle. D'accord, faut des bidons, je vais appeler K9. Southside. Moi j'ai un flic qui vend des bidons. Allô. Ouais K9, ça va tranquille. Ouais ouais, ça va et toi dis-moi. Bien bien, je voulais savoir là, il y avait moyen de t'acheter des bidons de d'acide sulfurique. Ouais, appelle Adonis, il va te... c'est lui qui gère ça. Adonis, j'ai pas son numéro ouais. je crois, si 0365 si j'ai pas de la merde. 0365, vas-y. C'est Birdie, Birdie. Ah Birdie, j'ai son numéro, vas-y c'est bon. Ouais bah c'est bon. Vas-y. T'as compris la vanne, Rupert? T'as dit quoi? J'ai dit moi je connais un flic, là, en New York, qui peut nous vendre des bidons. Il vient de Compton. Fils de pute. C'est trop drôle. J'avoue. Il nous met bien, lui. Allô. Allô, Birdie. C'est Rupert, comment ça va? Ça va et toi, Rupert? Bien, tranquille. Y'a K9 qui m'a dit de t'appeler, là, parce que j'ai besoin d'acheter de l'acide sulfurique. Toi aussi, tu veux du sulfu, mais décidément. Pourquoi? Y'a qui d'autre qui t'en veut, qui t'en commande? Ouais, énormément de gens. Ah ouais? Ouais. Mais attends, mais avec le sulfu là, ouais. tu peux faire autre chose que de la coke ou... Tu la mets, genre. Avec. Ah, y'a moyen, hein. Ah ouais, ok, ok, ok. Vas-y, d'accord, d'accord, Birdie, d'accord. Combien tu peux faire en quantité, là? Faut que j'aille voir au dépôt, là, et je te dis ça. Vas-y, tiens-moi au courant, et donne-moi le prix unitaire aussi. Sulfu, je crois, on est sur du 75, si je te dis pas de cas. Annule, annule. Non, c'est pas 75, c'est pas ça, c'est même pas ça dans les docks. Arrête, Birdie, on passe par vous. Faut que je vérifie, faut que je vérifie. Mais c'est 45, je crois. Je te dis ça. Ça, arrête d'abuser, non. Je te jure, c'est... Mais attends, mais... Mais vous, je suis sûr, vous avez des problèmes avec les prix. Hein. Sur le site officiel des docks, c'est, je crois, c'est 60$. 62. Et tu peux en acheter combien au doc maximum? Ouais, je peux en acheter, je sais pas beaucoup, mais le truc. Voilà. Ouais, mais le truc, c'est que vous me faites aussi un bon prix. K9, il m'a dit, il peut me le faire à 50 ou 55, je crois. Écoute, je vais voir ça avec K9 et je te rappellerai quand j'aurai le prix et la quantité. Vas-y, Birdie, à tout à l'heure. Vas-y, à tout à l'heure. Vas-y, je te jure, ils sont pas cordats avec leur prime, casse les couilles, frère. Non mais elle est sous ça et Eh, c'est des fatigués, je te jure. Dans mon prochain livre. T'as dit quoi? Mais quel livre? Tu sais même pas lire, fils de pute. Tu veux quoi, toi? Non mais vraiment, c'est... Vas-y. Mais y'a beaucoup de gens qui commandent de l'acide sulfurique, hein. Ouais, ça veut dire... aussi, je crois. Attends, mais ça veut dire que, regarde, ça veut dire que les gens payent le même prix que nous pour faire une drogue qui est deux fois plus chère. Oui. Oh, comment ça me pète les couilles, je te jure. Allô? Bonsoir, Rupert. Bonsoir, bonsoir, c'est qui? Je me présente Touko, seconde tête des BHB. Touko, ok. Croyez-moi. Serait possible de se voir pour avoir quelques trucs ou pas? Ouais, ouais, on peut se voir, ouais, dis-moi, tu veux qu'on se voit où? T'es dans le Queens là ou pas? Là, je suis sur Manhattan. Sur Manhattan? Bah vas-y, on met une pause, hein, moi je viens. Bah, on peut peut-être faire moitié-moitié de chemin, au moins on se rejoint où tu veux. Sur le pont de Manhattan, c'est ça. Comme tu veux, je m'en fous. Non, vas-y, je t'envoie une pause dans le Queens, vas-y. Allez, parfois, on arrive aussi vas-y. Sur le Queens. Oh, le chantier ici à droite, c'est cool. Et c'est un fou dedans. Il me dit, on fait moitié de chemin. Ouais, dis-moi. Le rendez-vous dans le chantier derrière, ça avait l'air cool. Ouais, attends, deux secondes. Répète ce que t'as dit, Willem. Il y a un groupe qui s'appelle les Rough Riders. C'est qui, eux? C'est des mecs du Bronx. Ouais. Et j'aimerais bien les voir pour savoir ils proposent quoi, ils font quoi, ils sont sur je vois le truc. Vas-y, bah c'était un contact, vas-y hein. Ouais, je vais les rappeler, je vais les appeler. Putain, merde, cet endroit. Vous voulez pas faire notre drogue? Si, on va pas faire. Un petit chantier. Et c'est à côté d'un LTD, Main Broor, c'est à côté d'un LTD. Ah oui, c'est vrai. Si, c'est très bien ici, c'est en vie. Ouais. Belle pause.
Je sais pas même. J'arrête. Quoi, t'allais dire quoi? Non, rien. Ouais. Ouais, salut, salut les mecs, ça va, tranquille. Salut, bien, ça va, tranquille. Ça va, ça va. C'est moi qui vous ai appelé. Ok, si ok. Ça arrive, ça reset méga, parce qu'on se prend vers là. Dites-moi. Déjà, c'était pour savoir un peu votre combat, comment c'est terminé la dernière fois, parce que bon, j'ai. Comment ça s'est terminé ou comment ça a viré au drame dès le début là? Ouais, bah là, ça, j'ai vu que ça partait un peu en couille, j'étais en pâte dès que mes gars ils sont fait éliminer, j'ai préféré. Pas par manque de respect envers vous, hein, mais j'ai préféré. M'écarter de ces énergumènes. Je te mens pas, y a des fils de pute qui ont tiré pas loin pour essayer de nous baiser, je pense. C'est ça qui a ramené les flics sur la position. Mm-hmm. Et ça s'est terminé avec les HK en gagnant. Ils ont gagné le tournoi. Et ce tournoi. Donc c'est ceux qui foutaient le bordel qui ont gagné, j'arrive là. Ah, ils voilà. Avaient un combattant qui couchait tout le monde. Il était solide, solide sur les appuis, il envoyait. Coche droite, boum, boum, tout ce qu'on aime, quoi. Et vous, les Swords, vous avez apprécié notre tournoi ou pas? Les Swords? Ça veut dire quoi? Les mecs. Les mecs. Ouais, ça va, ça va. Ouais, c'était sympathique. Ouais, c'était sympathique. Ok, attends, ok. Attends. Non, mais Swords, quand il y a des noirs et des blancs, ça veut dire les mecs, ok? Lui, les deux là, pourquoi ils sont blancs? Ça, il n'y a pas bon mélange, les gars. Vous êtes trompés. Nous, on est afro, nous. Non, mais c'est. Taco Sopundu, c'est quoi le délire là? Là, c'est un mélange, c'est un mélange, c'est un cocktail, ouais, c'est ça. Je vais m'évanouir, Rupert. Quoi, t'as jamais vu des latinos et des afro ensemble? Ouais, Rupert. Quoi? Lis son t-shirt. Quoi? Le mélange est homogène, ça. Antwerp. Ah ouais, Antwerp. Tu connais Antwerp là où il y a les putes là? Hein? On a été nous faire un tour là quand on est passé pas loin du pays, tu vois, c'est pas loin de Rotterdam, tout ça. C'est quoi, Antwerpen. C'est une vitrine. Antwerpen, tu connais pas Antwerpen, c'est une ville. Non, c'est quoi? Anvers, comme on dit chez vous, Anvers. Ah, je sais pas, moi c'est la vendeuse, elle m'a conseillé, elle m'a dit ça, on va bien, je l'ai pris. Ah ben, la vendeuse, tu vas vite me donner. Ouais, si elle te conseille ça, c'est que c'est une grosse coquine, putain. Elle va nous spipe, ça va nous faire du bien, je te le dis. Bon, du coup. Ouais, ça s'est bien passé, et vous, de votre côté, vous avez apprécié, vous avez pu vous la donner avec des gens, ça vous a fait du bien, ça vous a libéré. Ah putain, je vais tout niquer. Ouais, allô? Ouais, ouais, c'est ouais, bon? C'est mort, c'est bon. Fais chier, ce truc de merde. Du coup, nous, comme je disais, ça fait assez peu de temps qu'on commence à quitter notre cher New Jersey. Ouais. On laissait un peu de manger à droite à gauche. Et j'aimerais savoir justement, c'était de savoir ce que vous êtes procuré votre cam, que vous avez fait gagner ou quoi que ce soit. Vous êtes du New Jersey, vous? Ouais, on est du New Jersey. Okay. Justement, on revendique tout New Jersey. Ah ouais? On n'est jamais sorti du New Jersey, ça fait des années, donc bon. Vous avez traîné là-bas. Tout le terrain. Bah, on a juste les SMM un peu, là. Ouais. On a pris possession de leur quartier et de leur LTD, mais du coup, là, leur LTD, on leur refile un mec. Gère, là. Ok. Bah nous, ce qu'on a fait gagner, c'est notre putain de coque. C'est la nôtre. C'est à nous. La coque, c'est nous. Vous refourguez de la coque, alors? Ouais, on refourgue de la coque à qui veut bien en acheter. Et puis voilà. Hein. Quels sont vos prix, hein? C'est pas trop discret. On part sur... ça dépend, en fait, tu vois. Ça dépend si j'ai un peu une petite affinité, si je connais un peu les mecs, si des mecs solides dans le business, on peut faire des petits prix. Mais sinon, je pars toujours sur un piédestal qui est de 100$ l'unité. Ça se revend combien? Ça se revend à peu près 150$ en moyenne. 140, 150. Mais, bien sûr, c'est un prix qui peut être amené à diminuer. Après, je vous avoue que la coke, c'est pas un truc où nous-mêmes, on se fait beaucoup de marge. Du coup, on fait du mieux qu'on peut, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, après, j'ai envie de te dire, c'est un peu plus sur toutes les drogues, c'est de 70 à 40 de bénéfices, quoi. C'est ça. Après, le truc, c'est que. Il y a plusieurs choses à voir, tu vois. Nous, on refourte de la drogue, tout ça, mais derrière, on peut être amené à bosser sur de business. On peut être amené à avoir une certaine sérénité sur cette coque, parce qu'on la contrôle totalement de A à Z. Hein. Je peux te dire que si des gens te disent ouais, on est sur la coque, tout ça, c'est des baratineurs de l'extrême. Nous, on a vraiment ce contrôle. Le labo, il est contrôlé. Et voilà, y a rien de mieux, quoi.
Non, bien sûr, bien sûr. Et vous bah, nous, on est là. Hein. Nous, on refourgue tout ce qui est refourgué pour le moment. Là. Et puis, après, on sait se faire des sous aussi à droite à gauche. Hein. Ok, c'est comment dans le New Jersey? Il y a quoi comme bis qui traîne là? Ah, franchement, il n'y a rien. Là, je te parle la bonne langue. C'est la crise. Ah, New Jersey, il a abandonné. Abandonné, je te parle la bonne langue. Ah ouais? Donc, tu connais, on rebondit, on essaie de faire tourner un peu le truc. Mais niveau business, il n'y a pas grand chose pour le moment. Et quoi, vous cherchez à acheter de la cam ou pas? Bah, justement, pourquoi pas, je me renseignais justement, parce que bon. Mon méga m'a fait la réflexion, je dis, mais c'est vrai, aussi qu'ils ont obtenu leur coque. Mais du coup, bah, c'est pour ça que je me suis demandé, mais du coup, ouais, c'est plutôt une information pas mal. Bah, ouais, de toute façon. Je vais juste essayer un de mes grands de prendre un de vos numéros pour la coque. Quelqu'un qui gère ça chez toi ou c'est par toi directement qu'il faut passer? Tu peux passer par moi, après j'enverrai des gens. Mais c'est bon, bon, je garde ton numéro. Et ouais, bah, c'est bon, bah, après pour ça, c'est bon. Après, tu connais si vous avez un truc à faire quoi, même des petits billets lâchés pour des trucs quelconques. On ouais. Après ça, je pense que ce sera avec le temps, parce que bon, quelqu'un qui vient qui t'affiche ça comme ça... Exactement. Déjà que vous avez été convié au Fight Club, sachez que c'est... Il y a des gens qui n'ont pas été conviés, et qu'on connaissait. Mmh. Bon, bah, ça va. Après, Rupert... Quoi? Je peux laisser un petit mot en sa faveur. Rien dire qu'ils ont été carrés sur l'inscription, voilà, ils se sont présentés à l'heure, etc. C'est vrai, donc c'est pas c'est mal, bien, tu vois. C'est bien, ouais. C'est bien, c'est des bonnes choses, ça, déjà. Moi, on sait que vous êtes des gens carrés et que quand vous parlez pas pour rien. Vous parlez pas pour niette, tu vois. Ouais, après, on a sur les épaules, c'est tout. Ouais, c'est carré. Sur les épaules. Bah, c'est cool. Bah, écoutez, ça fait un plaisir, hein, messieurs. Est-ce qu'il y a le soir, tu veux te battre? Je vais en discuter avec mes gars. Vas-y. Vas-y, on fait comme ça, on se tient en courant, les mecs. Ah, parce que je... Qu'est-ce que t'as dit, Doober? Putain. Vous m'entendez? Je te défile. Ouais, tu m'entends? Mais une brore. Ah, c'est bon. Vas-y, les mecs, on se voit plus tard. C'est bon, si vous avez besoin de cam, vous nous appelez. Quoi? Et du coup, vous êtes que sur la coque, vous devez être notre business? Que sur la coque pour le moment. On est en train de chercher un business qui nous intéresse. C'est les armes blanches. Mm-hmm. Normalement, un fournisseur devait nous mettre bien, mais il nous a claqué entre les doigts, ce fils de pute. Et dites-moi, pour tout ce qui est armes, là, vous savez pas aussi qu'on peut s'en procurer quelques-unes? Chercher des armes à feu? Ouais. Ok. Bah écoutez, j'ai peut-être un truc pour vous. Hein. Je vous tiens au courant. Demain par rapport à ça. Ouais, c'est bon. Bon, en tout cas, gracias. Obi, tu voulais te battre avec le seigneur. Il te regarde de travers, lui. Il te regarde de travers depuis tout à l'heure, Rupert, je te le jure. Vas-y, Doober. Vas-y, Doober. Déjà. Attends, mais il lui a mis une golden, pas deux. Oh. Vas-y, Doober. Vas-y, l'impro, arrache-le. Mais quoi? Mais attends. Il se fait moulonner. Non, il a tabassé. Non. Bah attends, mais c'est qui ce mec? Inscrivez-le jamais au Fight Club, lui, on le refuse. Jamais. On veut pas. C'est bon, Doober, c'est bon. Ça fait 1-1 là. Non, putain. Ouais, ça fait 1-1 les gars. Vas-y, je crois que tu lui rappelles. Ouais, je vais apprendre. Ouais, tranquille les gars. C'est pas moi qui m'en chasse. Non, mais au seigneur devant là. Je crois que tu rappelles la dernière fois. C'était lui là. Non, c'était pas Doober. Doober, il a pas combattu. T'as dit quoi? Oh là, il est. C'est pour ça que c'était toi qui avais mangé ça la dernière fois. Vas-y, Doober. Arrache les Edzel. Vas-y, Doober. Voilà, oui, Edzel. Allez, Doober. Non, oui, Oligan Fayonard. Oligan, les frères. Moi, je prends mon pull en jeu, je le bats, moi. Quand vous perdez contre lui. Mais ramène-toi, Doober. Vas-y, Doober. Vas-y! Moi je suis pas les autres, moi! Vas-y, Doober! Viens là, Doober! Mais non, petite pute! Ah! Oh non, Mais Doober, il est trop chaud là ce soir! Ah les gars! C'est bon, Doober, y'a plus personne! Tu les as tous su, c'est bon! T'as fait du bon boulot! Doober, il cogne!
Tu connais ça, Dober. Attends, mais récupère le pull, Dober. Ah non, Doya, c'est bon. Vas-y, plus tard. Putain, solide, Dober, solide. Ah ouais, tu crois quoi, la baston, c'est notre délire. Eh, Dober, un Doberman, je te jure, c'est vrai, ça, putain. Le roi de la bagarre, c'est moi. Wesh, The King, ça va ou quoi? Ils vont prendre une quotidienne. Heureusement, ça mute les armes. Ça me fume de rire. Tu les as vu qu'il est beau. Attends, mais tu les as tous enculés là, je suis mort de rire. Je les ai tous enculés, je te jure. Ouais. Ouais, Bastian. Ouais, nous, notre côté, bah, je te dis ce qu'on fait. On prend les infos sur qui aurait tiré et tout. Ouais. Pour l'instant, les EHB, pour eux, ce qu'ils m'ont dit, ouais, ils ont payé pour 5 000 $. Genre, ils donnaient 5 000 $ s'ils avaient la pause et l'heure de l'événement. Les EHB ? Non, les 305. Ils ont payé les 305. Les 305, vous les payez les EHB pour avoir la pause. Ah, ok, ouais, ça, on était déjà au courant, ça. Ok. Voilà. Et donc ça, il faudrait voir avec les autres 7 qui étaient là sur place, je pense, les CMB, les trucs ont de RZA. Ouais, vas-y. Ouais. Et sinon, là, petite question, vous voulez péter le flic ou pas? On peut péter le flic ou pas? On peut, mais faut le faire subtilement, pas à l'arrache. J'ai capté, ouais. Bah oui, normal. Faut le faire de... Ouais, masquer surtout, parce que s'ils savent que c'est nous, on se fait enculer. Masquer, ganter et tout, de A à Z. Subtilement, oui. Ok. Oui, mais oui, bien sûr. Vas-y, prenez ça des infos, c'est mieux de prendre des infos sur le flic d'abord. Oui, pour l'instant, on se concentre là-dessus, mais tu sais, ça reste un petit coin de la tête s'il y a une opportunité ou quoi. Mais vas-y, ça roule. Vas-y, on fait comme ça. À tout à l'heure. Attends, il y a encore un autre numéro qui m'a appelé, 0668. Allô ? Ouais, allô, c'est Rupert ? Ouais, c'est Rupert. Ouais, c'est Toby, merci. C'était pour le combat, merci déjà pour l'invitation, enfin de nous avoir accepté. Ouais, ok. Bon. Tranquille Toby, pas de galère. Et justement, on m'a un peu parlé de toi et tout, et on m'a dit que... T'as vu, moi je suis dans certains trucs, et on m'a dit que toi tu pouvais m'aider. Ah ouais, ok, écoute, ouais. Ben si tu veux on peut se voir pour discuter, moi je parle pas de ce genre de trucs au téléphone, tu vois. Ouais, bien sûr, ben, c'est pour ça que j'ai été vague. Du coup, envoie-moi une position, je suis dispo, moi là, si tu veux. Vas-y, ben, je t'envoie ça. Vas-y. T'as vu les HK, ils habitent à gauche là. Espèce de gros bâtard, tu parles pas de ce genre de truc au téléphone, hein, il y a 2 minutes. Ouais, il me faut de la coke, s'il te plaît. Pas avec ces mecs là, gros bâtard, va. C'est pas ça qu'il y a en plus. Et moi je vois c'est qui. Toby, je sais pas c'est quelle équipe déjà. Il y a Bobby qui essaie de m'appeler, je pense que c'est pour les feuilles de coke. Toby, il a pas d'équipe. Il y a pas d'équipe, Toby. Ah ouais? Ok. Ouais. Ouais, Bobby. Ouais, du coup, un petit coup, il y a qu'une dépanneuse. Bref, j'ai attrapé un sac, j'ai les 150 là sur moi. 150, vas-y, ben rendez-vous au bar, c'est bon. Vas-y. Vas-y, à tout de suite. Attends. Ça va ou quoi, tranquille? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Les sous? Ouais, va chercher les sous. Vas-y. Oui. Laisse tomber, j'ai pris une dépanneuse, allez, elle a fini en fourrure. Ah ouais? Ouais. Je sais pas si j'aurai assez de place là. Attends, bouge pas. Bouge pas. Vas-y. Jade, elle veut. Ouais, elle donne plus de nouvelles. Vas-y, on voit. Parfait, bouge pas. Allô? Ouais, Rupert, t'as reçu ma position? Ouais, ou quoi? J'arrive. Là, je finis un truc et je suis là. Vas-y, pas de soucis. Vas-y. Et pour les armes? C'est bon, tu l'as payé? Oui. Vas-y, parfait, Bobby. Le reste de la... Ah, tu m'as envoyé là encore? Y'a combien 50, là au final? 150 là, rien. Ah, vas-y, 150. Vas-y. Ah ouais, 150, c'est bon. Il va
aller chercher tout de suite, il a dit reviens vite fait. Rechercher quoi? 150 de plus. 150 de plus. Ah ouais. Vas-y, bah, fais ça, vas-y. Vas-y, je vais t'envoyer une autre équipe qui va t'accueillir, c'est bon, t'as été payé de toute façon. Vas-y, ça marche. Vas-y. Vas-y, on s'arrache là, on pose ton service. J'ai pas pris. Tu peux m'engager ici parce que j'ai accès à rien. Ouais, je peux. Bouge pas. C'est bon. Eh, du coup, vas-y, appelle Willem, appelle Bastian, dis qu'il vient au bar pour accueillir le reste. Montez. On a rendez-vous avec l'autre là. Avec qui? Avec qui m'a appelé. Ah d'accord. Et moi, vous venez au bar, Bobby va ramener 150 feuilles, vous les déposez à l'entrepôt. Il est déjà payé, etc. Ouais, Ivan. Ouais, Rupert, c'était déjoué pour le hors forfait, hein. Ah, je me suis d'avance. Ouais, déjoué, c'était pour le jeune geste. Je sais pas ce qu'il a vu depuis quelques jours, je suis parti. Hein. Je vais te montrer que j'ai pris l'air. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est normal. Ouais. C'était pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise nouvelle? Le labo, je pourrais pas le faire tourner avant au moins 2 semaines. Avant au moins 2 semaines? Moi et Bobby, c'est fini. Ouais. Vous êtes plus en couple? Donc, je sais pas, en couple. C'est que tu vois, malheureusement, là, quand moi j'ai réduit tout ce qui était infrastructure, donc les contacts, avec toi, voir où il y a le labo, tu vois, tout cet aspect. C'est quoi? On se voit après pour parler de tout ça, c'est bon, j'ai un truc à faire là. Non, on se voit pas, je suis à Los Angeles. Ah, t'es à Los Angeles? Bah oui, je suis en train de me taper les piles, je me fais même de la crise d'un bar. J'ai commandé une dansée, j'ai mal parlé malheureusement. Ok, vas-y. Non, c'était pour première parce que honnêtement, je préfère t'appeler tu vois, avec le téléphone, mais tu m'as compris. Mais de base, je voulais vraiment pas revenir avant vendredi, mais pour ça, tu vois, je préfère te prévenir et être honnête avec toi. Et malheureusement, même moi, j'aurais préféré le faire tourner avant, mais je peux pas faire autrement. Vas-y. Il y avait tout l'argent, donc voilà, bon, je me retrouve à la rue. N'hésite pas si t'as besoin c'était un logement adéquat. Vas-y, ok, je te rappelle dans la soirée, vas-y. Bah non, bah on joue vendredi. Ok, vendredi. Félicitations à menu. Frère. Il raconte sa vie là. Ouais, les mecs, ça va ou quoi, tranquille? Ouais, tranquille, bien. Bien, la forme? La forme, la forme. C'est qui Toby du coup? C'est moi. C'est toi? Attends. Parce que ton numéro, je l'avais pas enregistré. Hop. Alors, Toby, c'était comment le Fight Club? Ouais, je suis ressorti avec des bleus quand même, hein, mais vas-y, ça va, c'est ce qu'on aime, la casse. Bah, mais t'es un homme, non, t'es un homme, hein. C'est ça. Ah non, c'est pour ça, hein. En plus, vous allez en refaire un, apparemment, je reparticipe, hein. Ouais, on va refaire un, ouais. Y'a le champion qui est prêt à remettre son titre en jeu. Mais non. Exactement. Et ce sera toujours no rules? Peut-être qu'on va changer, on verra. J'ai des idées plein la tête, hein. Je te mens pas que ça se trouve que tu vas te pointer et tu vas devoir faire un combat au couteau par exemple. Ouais, j'ai capté. Ce genre de truc. Ou sinon tu vas te pointer, tu vas faire un 2v2. Ok, j'ai capté. En fait, dis-toi que quand tu rates dans cette cage, c'est l'enfer. Ouais, tu peux mourir à tout moment, mon grand. On n'est pas dans un truc où t'es là, c'est régi par des règles, t'es là en mode c'est un petit combat de boxe tranquille. Non, ouais, on est des hooligans nous. Voilà, à tout moment tu te retrouves avec une patte entre les mains. Plein de trucs comme ça. Voilà. Non, c'était lourd en tout cas. Ouais, c'est cool. Du coup, vous êtes une petite équipe, bro. C'est comment mon père vous a connu là? En gros, on est une clique. On est dans le Bronx, t'as vu? Ouais. On est une petite clique, t'as vu, 6-7. Ça dépend. T'as vu, on peut être 5, 6, 7 mm-hmm. personnes. Et voilà, on est dans le Bronx et. On essaye de se démener. Survivre, hein. Ouais, je vois le truc. Exactement. Et on participe à des combats illégaux comme les tiens, voilà quoi. On est des brouillards quoi. En termes de business là, ça se porte bien pour vous ou c'est la crise? Ok, ça marche bien. Justement. Ouais. Vas-y. On m'a dit que tu pourrais débloquer un peu la situation. C'est quelle situation qui est bloquée du coup? Niveau, je sais pas, des produits premiers par exemple, tels que, je sais pas, si je te parle de la cocaïne, tu auras forcément faut de l'acide. Et toi, tu serais un peu la personne qui pourrait débloquer cette situation. Pourquoi vous cherchez à faire de la coke? Je sais pas, pas que de la coke, t'as vu, mais je sais pas. En gros, nous, on cherche à se débrouiller, t'as vu, peu importe. Et quoi, acheter de la cam, ça vous intéresse d'acheter de la cam? En fait, on a déjà fait ça, t'as vu, on fait ça avec tout le monde.
Et pas rentable. T'as vu, c'est pas rentable du tout. Et surtout, les gens, en fait, ils savent pas le sens du business. Ça veut dire. Et comment c'est pas rentable? Ils vous le vendent à combien? Vous faites combien de bénéfices? Je te jure, des fois, on fait du 20, 30 quand on est chanceux, des fois 10. T'as vu? Quoi? Ils savent pas vendre des poissons. C'est des fils de pute. Oui, c'est pour ça. Et c'est quel produit que vous avez acheté à ce prix-là, là, histoire de savoir un peu? Par exemple, nous, on avait acheté des pochons de cocaïne, t'as vu? À qui? Je sais même plus. Attends, c'était à qui qu'on avait acheté déjà? C'était à qui, JK? La toute première fois, toute première sachez fois. Que la cocaïne, sachez que la cocaïne, je vais vous dire un truc, hein. C'est la drogue avec laquelle, si tu tombes sur un mec qui sait pas y faire, il va te faire la marge la plus serrée du monde. Parce que la cocaïne, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Mais c'est un produit que nous, on contrôle aujourd'hui. Tu vois? La cocaïne, c'est nous, les hooligans. On le revendique haut et fort. Ça, on se le cache pas du tout. Et que quelqu'un m'appelle pour de la coke, ça m'étonne pas du tout parce que je le dis à tout le monde. Ok, vous êtes que sur la cocaïne, vous, c'est ça? On est que sur la cocaïne. Ok. C'est notre produit. On fait ça bien. On te sort des putains de kilos de pur, tu vois. Après, t'en fais ce que tu veux, tu la coupes, tu la revends, tu fais ce que tu veux. Du coup, moi, cette cocaïne, moi, je peux t'en vendre avec une marge où tu vas te faire à peu près, je te mens pas, $40. Et ensuite, tu vas te faire, si tu me prends en grosse quantité, vraiment, je vois que t'es bien, tu vas te faire $50. Et je pense que c'est raisonnable de faire $50 à la vente. Ça dépend un peu, comment tu te sens. Si tu vends bien, $50 par pochon, tu te payes bien, quoi. Putain. Oh, allô. Oh, allô. Bah. Ça casse les couilles, ça merde la pute là. Vous avez entendu quoi là de ce que j'ai dit? $50. La marge. En tout cas, des kilos et des kilos. La marge, elle est de $40 au départ. Et après, si vous prenez bien, ou si vous prenez des grosses quantités, vous allez vous faire $50 de marge. Moi, je veux vous le faire. C'est simple, on connaît bien, nous, la coke. Elle se vend à peu près à $145. C'est ça, Willem? Entre 145 et 150, ouais. Voilà. Du coup, premièrement, première cargaison, si ça vous intéresse, nous, on vous la vend à $100. D'accord? Vous faites déjà minimum $40 de marge. Et si vous prenez bien, on peut vous baisser ça jusqu'à 95, voire $90. On n'ira pas en dessous parce qu'après, on rentre plus du tout dans nos comptes. Mais tu vois que tu peux te faire facile $50, $60 de marge au bout d'un certain temps, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais regarde, t'es que dans la coque? Je suis que dans la coque pour le moment. Rien d'autre, non. On est solide, on fait ça bien. Pourquoi pas un jour m'expandre ailleurs, mais c'est pas le but. On fait ça propre, tu vois. Et tu veux pas dépanner certains trucs? Comme quoi, par exemple? Des bastos. Des balles? Ouais. Je t'avoue que, comme tout le monde, c'est la crise, hein. Ouais, c'est la crise. Je pourrais bien t'en dépanner si moi-même j'en avais pas besoin, mais tout le monde en a besoin et tu te doutes que t'auras la même réponse. Mais j'ai peut-être un contact qui va me refourguer des choses. Si j'ai quelque chose, je te tiens au courant et j'essaie de voir. Bah t'as eu ton contact, sinon on l'a pas. T'as dit quoi? Un moyen, on peut s'arranger, tu nous présentes, on te lâche un billet, hein. Ah, je vous avoue que je préfère bosser un peu avant avec les gens avant de présenter des gens importants comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, je comprends. Je vous connais pas tant que ça, vous êtes venu au Fight Club, ok? Mais en termes de normal, business normal. Pur et dur, je sais pas ce que vous valez. Mais regarde, Rupert, t'as vu, pour être honnête avec toi, là tu vois, en fait, ça nous intéresse ce que tu nous dis, sauf que regarde, nous, comme on t'a dit, nous on est des débrouillards. C'est-à-dire que nous, on n'a pas attendu que les autres 7 nous vendent des pochons avec 20-30$ de bénéfice. C'est-à-dire que nous, t'as vu, directement, on te le dit, on a filé quelques groupes, t'as vu, directement à la source. Pour voir comment on se produisait la cocaïne. Hein, je vais être honnête avec toi. Et jusqu'à maintenant, on n'en a jamais touché. Et nous, justement, on aimerait, moi, pourquoi je t'ai contacté, c'est que j'aimerais, t'as vu, en produire moi-même. Et t'as vu, si ça t'arrange, on essaie de trouver un arrangement. Et je t'en produis aussi pour toi. Ok, je vois le truc. On va te donner un pourcentage. Ça a envie de produire de la coque. Chaque semaine. T'as vu, chaque semaine,
tu vends tel nombre de pochons, t'as tu l'auras, si toi derrière tu nous fournis l'acide qui va avec. Vous savez ce que ça engage, ça ou pas? Ouais, ça engage qu'on va pas te baiser. Moi je vous dis un truc. Derrière, tout ce qu'on va produire, hein. C'est pour notre propre clic, hein. C'est pas pour la vente. Ouais, je me doute. Et moi pour t'expliquer, d'accord, que j'ai eu des personnes qui m'ont dit aussi la même chose. Alors d'aujourd'hui, ils ne produisent pas et ils se sont engagés dans tout ça, tu vois. Et moi, ils ont voulu rentrer dans le circuit. Je suis en guerre avec ces personnes-là. Là. Ils me doivent des grandes choses et ils sont à terre. Ils sont au sol, ils sont pas bien. Moi, je vous préviens, si vous engagez avec nous, les hooligans, sur un truc comme ça, on n'est pas des mecs qui parlent pour rien. C'est un business important. Si vous vous mettez les pieds dedans, vous y allez à fond. Ou sinon, vous y allez pas. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment. Du coup, ouais. Vas-y, dis-lui, William. Voilà, vous avez filé des groupes pour avoir des infos sur la coke, du coup? C'est ça, c'est ça. Vous avez quoi comme info, du coup? On a eu le point de récolte. Ok. On a eu le laboratoire. Et vous avez filé quel groupe? Je sais, c'était un groupe, on l'a filé parce que en gros on savait que lui il vendait et qu'en gros il traînait beaucoup à un endroit là. On a posé quelqu'un en voiture, on était au téléphone avec lui, il nous a donné la position, on est venu et voilà. On a attendu qu'il sorte. Mais... Afro, on sait pas quel blanc, groupe, latino. C'était un groupe, il y avait des afros et je crois qu'il y avait un latino dedans. C'est vrai, un latino dedans. Ok, vous êtes sûr, vous connaissez pas le groupe, hein. C'est dans votre intérêt, hein. Sachez-le. Parce que si vous connaissez le groupe et vous voulez pas le dire, ce groupe-là sera sur position pour vous enculer. Si vous êtes amené à travailler avec nous. Et ça, bien sûr, ça reste entre nous. Putain, mes frères. Maman. Putain, mais c'est trop, hein. Eh, ça vous le fait à vous, ça aussi, ou y'a ouais, que ouais, moi? Ouais, si, ça me le fait. Ok, on est d'accord. Ouais, je disais, le groupe, vous êtes sûr de pas le connaître ou vous voulez pas le dire? Parce que c'est dans votre intérêt de le dire. Je te jure qu'on connaît pas, je te jure. Et comment vous saviez qu'ils faisaient de la coke si vous les connaissez pas? En gros. En fait, si tu veux, c'était un groupe déjà qui tournait à un endroit, t'as vu, vraiment qui tournait beaucoup. Et à une heure précise. Vas-y. Ok. Que vers les 2h, 2h30, et ben ils tournaient toujours au même endroit. Ils faisaient des allers-retours avec leurs gars et tout. Tu les as revus depuis ou pas? Non, on les a pas revus. Du coup, là, à cause de ces bâtards. À cause de ces bâtards, t'as la pose du labo. C'est ça. Et t'as ce qu'il faut pour travailler dessus. Bah, justement. Non, vu qu'il faut de l'acide. Moi, je pourrais m'en procurer. En fait, regarde, pour être honnête avec toi, t'as vu de l'acide, je peux m'en procurer. Certes, je vais pas me faire un gros bénéfice. Mais je me dis que, en passant par toi, qui a le monopole de la coke, et vu que vous le revendiquez, t'as vu au effort, c'est gagnant, on sera gagnant tous les deux, tu vois, de travailler avec vous. Donc c'est pour ça que maintenant je suis venu te voir et voilà, je t'ai dit les choses clairement. Ok. Bah écoute, t'as vu, il est minuit là. Ouais, y'a des petits bâtards qui devaient m'appeler. Ok ouais. T'as vu, si tu le veux ton business, ouais. Si tu veux pouvoir qu'on s'entende sur un truc, ramène-moi un 305. 305. Tu me ramènes un 305, je te débloque l'ouverture de ce business et on voit comment tu peux bosser dessus. On s'arrange sur quelque chose. Ça marche. D'accord. Vous savez où ils habitent à peu près ou... Manhattan Nord. Manhattan Nord. T'as vu, regarde sur ton téléphone là, ouvre ton GPS. Ouais. Sur la 227ème. T'as vu la 227ème, les trois tours? Ouais. Ils viennent de là-bas. Ok. D'accord, il y a un mec qui se fait appeler Wesley. Il y a un mec qui se fait appeler Tonton ou l'ancien, il a une grosse voix, avec un gros t-shirt blanc, il se change jamais, ce crasseux, et c'est des afros. Ouais. Vous me choper un de chez eux, de préférence, une grosse tête, Wesley, ce serait bien. Si tu me ramènes Wesley, ce serait vraiment, vraiment bien. Sinon, ben voilà, tu te doutes bien, hein, si t'arrives pas à me les ramener, on s'entend sur rien du tout pour le moment. Dès que tu m'as quelqu'un de chez eux, ben on s'entend sur quelque chose, ça te va? On a jusqu'à quand? Là, dès que vous pouvez, là, vous avez pas de date limite, mais faites ça ce soir, c'est dans l'idéal. Et on pourra discuter rapidement. Vas-y, ça marche pas. Si. C'est bon? Vas-y, on fait comme ça. Vas-y, tu me tiens au courant, ouais. Tu m'appelles, t'as mon numéro, c'est bon les mecs? Ouais, nickel. Vas-y, et c'est quoi votre équipe à vous, votre blaze? Vous avez un nom ou pas? Ouais, on est les Finjis. Les Finjis? Fini. Je vais t'expliquer comment ça s'écrit.
Vas-y, ok. Vas-y, à plus tard, les mecs. On se tient au courant. Salut. Ça s'écrit comment? F-I, fini comme fini, ouais. Et G-Z. F-I-N-I, G-Z. Ok, fini G-Z. Fini G-Z. Fini G-Z. Oh, mon blast de merde. Man, no. Big man, no. Oh, non, I get on, on, na, 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 na. Y'a un groupe qui s'est pas travaillé, peut-être c'était nous, non? Je crois pas, hein. Non. Non, bah non. Possible. Parce qu'ils ont dit qu'ils l'ont chopé, le mec. Bah wesh, il vient à peine d'arriver. On a fait 6 fois le tour de la ville. Heureusement que je t'ai pas attendu, hein. Heureusement que je t'ai pas attendu, Bobby, hein. Comment ça? Tu viens que maintenant, là, pour la deuxième fois tournée. Ben là, c'est la troisième déjà pour commencer. Et les 200 chaussettes de faire demain, je les ai fait maintenant. Ok, ok. Je suis en avance, c'est bien. T'es un mec en avance, ça fait plaisir. Mais oui. C'est cool alors, tant mieux, tant mieux. Putain, ouais. Ça va ou quoi les filles, tranquille? Ça va et toi, je suis devant là. Bien, bien, bien. Mais attends, mais t'as rendez-vous là? Oh lolo, Erza, ton gros jogging, vas-y rentre. Oh lolo, hey, mais avec qui, c'est la guerre, hein. C'est que c'est la guerre là. T'es venu avec qui là? C'est qui ta copine? Avec Saya. Ça va Saya? Saya, salut Saya. Enchanté, je te fais la bise. Ça va, tranquille. Ah, ça, je fais la bise aussi, hein. La forme ou quoi, ça y est? J'aime pas trop les contacts physiques. Hein. T'aimes pas trop quoi? Les contacts physiques. Mais tranquille, ouais, c'est une bise. Bien, hein. Dans le on va vous servir un verre. Mais non, moi je sers pas la main aux filles, putain. C'est pas respectueux. Bah, considère-moi comme un homme, c'est très très bien. Comment ça, comme un homme? Mais c'est pas possible, je peux pas. Day of this. Et t'es une femme. C'est très bien. Il vient de quelle set déjà? T'es une femme, je peux pas faire semblant. Ah oui, c'est ce que je veux dire. Ah, considéré comme... Non, ça marche pas comme ça. C'est comme si tu... C'est comme si je te dis, tiens ce sneakers, d'accord? Non, non, tiens ce caca, et je te dis, fais comme si, considère que c'est un sneakers. J'avoue, il a raison. Tu vas faire comment? Tu vas le manger, le caca, ou pas? Ah non. Bah voilà, parce que c'est de la merde, et tu le sais, tu peux pas considérer. C'est comme si là, voilà quoi, on est là, on se donne une nuit, toi et moi, et tu me dis, ouais... Je suis un homme, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Putain, vous m'entendez plus, c'est ça? Si, si, on t'entend, c'est elle qui... Ah, c'est quoi. Elle qui... Nous, d'accord, d'accord. Ok, ok. Ouais. T'entends plus, Saya. Ça, ouais. Ya, ça, ya, ça, ya, ça, ya. Wesh, un revenant. Wesh Pinto! De fou, de fou, putain. Oh, c'est carré, c'est bien. Y'a Ivan qui m'a appelé là. Ouais. Apparemment, vous êtes plus en couple. Ouais, en couple, c'est un grand mot. T'inquiète pas, moi, je baisse ma meuf, je le baisse pas lui, mais. Ouais, non. Et d'ailleurs, j'ai besoin de toi. Un truc important de fou, viens. Et là, ce que je vais te parler là, Bobby, c'est important de baiser, sache-le. Hein. Ok. T'es toujours avec ta gonzesse? Ouais. Ok. Elle te parle un peu des flics, tout ça. Au fait, en parlant, le procureur, il va bientôt faire un code 3, code rouge, je sais pas quoi. Bref, un truc qui fait que les keufs, ils peuvent te contrôler, te fouiller à tout va. Mais ils non. Ils te voient sortir d'un bingo, t'as beau leur dire que tu viens d'acheter un bonnet, ils s'en foutent, ils peuvent te fouiller. Ils vont bientôt mettre ça... C'est dangereux. Parce que c'est parce que t'es un clown psychopathe qui se balade en ville. Ok, oh, c'est la merde. Un mec qui joue à l'assaut. Tu vois, assaut? Ouais, ouais, je vois. Il fait le même délire. Ce fils de pute. Écoute, j'ai un truc là, important de fou, là. Ta meuf, elle est en contact avec ses collègues, elle peut connaître des gens, on est d'accord? Ouais. Il y a un bâtard de flic qui a tiré sur mon gars. Il lui a fait une vraie pavure, il lui a tiré dessus, tu vois. Alors qu'il devait pas. Okay. Il n'y avait pas d'arme. C'était lors d'une bagarre. Je vais prendre des notes, bouge pas. Vas-y. Tu vois, ce flic, je le connais. Ce que je voudrais savoir, c'est où il habite. Il s'appelle comment, le keuf? Il s'appelle Sully. Son matricule, c'est 99, je crois. Sully prend cette information comme de sûr. Le matricule 99, moyennement sûr. Et c'est un afro. Non, mais et ça, c'est sûr. Un afro. Je pense qu'avec ta meuf, tu peux le remonter facilement, ce mec.
Ce qui serait cool. Largement, largement, il y a grand moyen. Mais elle, là, ta meuf, là, elle est pas mêlée dans les trucs comme ça, on est d'accord? Non, non, elle est pas mêlée. Du coup, fais-le subtilement, ok? Ouais, t'inquiète pas, on va essayer de, je sais pas, faire une soirée avec ses collègues. Voilà, par exemple, ça serait très bien, ça. Clairement. Ouais, vas-y. Et le top du top, c'est de savoir où il habite. Si tu me trouves où il habite, c'est parfait. Non, mais oui, c'est simple. On va les inviter à boire un verre à la maison, ils nous inviteront à boire un verre chez eux. Voilà, exactement. Vas-y, parfait, on fait comme ça. Et à l'issue de ça, t'inquiète. Je te mettrai bien. Ça marche. Et ouais, non, non. Attends, mais allô, l'ancêtre. Bien. Hein? Et toi, je t'appelle quoi, le ghost? Ils sont où mes 5000 dollars, Hunt? Quel 5000? Quoi? Vous m'avez pas payé le reste, là? Vous foutez de ma gueule? Mais quel 5000? Eh, la quantité de coke que je t'ai avancé, et après on s'est mis d'accord que vous me payez pas 10 000, mais 5 000, au vu des préjudices que vous avez eus. Même si j'ai des doutes sur ça, d'accord? Je te fais une faveur. Là, je veux mes putains de 5 000 dollars, ça fait une semaine. On te les a pas donné? Non. Attends, j'appelle l'ancien et vas-y, je t'arrête. Passe au bar, je suis au bar. Vas-y, vas-y. Vas-y. Ouais, ouais. Ça va quoi, les mecs? Ouais, ça va. Tranquille. Tu voulais me dire quoi, Bobby? Ouais, du coup, je décroche. Ouais, non. Du coup, ouais, non, je bosse plus avec Ivan. Ouais. Ok. En fait, c'est simple. Ivan, lui, devait s'occuper de quoi? Dans le coffre, il devait enlever des feuilles, enlever de l'acide et poser des pochons. Ouais. Pendant que moi, j'enlevais des pochons et moi, j'ai déposé l'argent. Ouais. Sauf qu'il se branle les couilles. Ok, ok, d'accord, je vois le truc. Et c'est moi qui devais négocier pour l'acide, c'est moi qui devais négocier pour tout. Et au final, ben voilà quoi. Putain, ça fait deux fois que tu traînes avec des mecs qui savent pas bosser, Bobby. Hein. Ouais, 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 ben j'en ai marre, j'en ai marre. T'en as marre, hein? Entre le comptable, l'autre là, l'investisseur. Maintenant, lui. Je vais venir. Ouais, c'est compliqué. Ah, je comprends. Écoute, vas-y, fais en sorte d'accomplir ce que je t'ai dit. Et vas-y, on va se mettre bien. Ok? Vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais, on a commandé un mal alpha, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Hop. Bah passe, je t'envoie une pause, passe. Arrête, fils de pute. Ouais, tranquille. Je t'envoie une pause à une meuf, ça vous dérange pas? Ah, j'ai plus son num. Non. Je sais pas enregistrer. Ah, c'est bon. Attends, je t'ai mis une petite claque là, tu dis rien, Erza. Tu m'as pas mis de claque. Si, je t'ai mis une claque, non, non, non. Si, je te jure que c'est. C'est sûr, tu m'as pas mis de claque. Hop. Et bref. Oh, on était en train de discuter sérieusement, Rupert. Viens pas commencer à nous faire chier là, putain. Ok, bah tranquille, c'est mon bar. J'aime bien faire des trucs comme ça. Tu me connais comment je suis. Je suis un mec entier. J'ai une question pour toi. Par contre, le mec qui était à la coquillère, dites pas que c'est moi, hein, je vous l'ai dit. Attends. Ouais, non, t'inquiète. Ouais, les mecs, ça va, tranquille. Un verre de whisky. Y'a rien pour les noirs. Ouais, ici c'est bien. Vas-y. Dans le coin là-bas. Ça va ou quoi? Tranquille. Ça va le bise? Ça se passe? Oh, calme, comme d'hab, tu connais. Cool. Tu vas être contente quand je vais t'annoncer la nouvelle. Dis-moi. Léon. Ouais. Je lui ai mis une balle dans la tête. C'est bon, t'as eu, tu comptes les lirasses? Vas-y, parfait, je te fais confiance, t'inquiète, c'est bon. On est carré sur ça. Bon, c'est cool. T'as un bon Rupert. Vas-y les mecs. Vas-y viens. Allô? Ça c'est quoi? Il s'est pris une balle dans la tête. Encore? Wesh, j'ai pas dosé la vis. Faut que tu dises à... Demande à Saïd d'envoyer la pause à la nouvelle. Tu présentes pas ta troisième copine? Ouais, présente ta copine, Erza. Oui. Ah, tu sais, vous voulez que je vous présente Aïka? Aïka, ouais, Rupert. T'as vu votre événement là? Ouais. Celle, elle a baisé grave des mecs, hein. Ah ouais, c'est vrai, j'ai vu d'ailleurs, félicitations. Aïka, ouais, salut, ça va, tranquille? Ça va et toi? Ouais, moi c'est Rupert Van Dongen, enchanté, Rouyamoy. Enchanté. Rupert, tu m'avais dit ta couleur préférée, c'était le rouge, c'est vrai ou pas? Ouais, comme le sang. Voilà. Ok, alors ça j'ai une question à te poser, juste pour savoir, entre nous là. Dis-moi, ça te fait pas chier là, le petit truc là, sur le Beretta en ce moment? Si, ça me casse les couilles. Je les ai croisés tout à l'heure. D'accord. Je les ai croisés. Tu sais que je leur ai mis une pression limite. Hein. Rapproche ta tête de moi alors. Vas-y. Ouais. Ouais, bah, me touche pas là. Tu en dirais, tu vas me galoche. Attends, mais pourquoi vous rapprochez votre tête comme ça là? Mais c'est lui, il se colle à moi là. Mais Dober. Oh, bon. Je recule un peu. Bah, attends, mais quoi? Ah, mais quoi? Mais oh.
Attends, sérieux, il était à deux doigts, il était à deux doigts de me toucher les lèvres. Oh, je suis choqué, il a failli me galoche. Attends, mais c'est toi qui m'a galoche là. Attends, t'as pas de quoi, j'en ai peur, t'as vu? Eh, j'ai vu là. Et en plus, tu te repositionnes, t'attends que ça en fait, toi, hein. Hein, t'attends que ça. Eh, je suis sûr que tu m'as pas touché. Eh, mais attends, mais c'est quoi cette info là? Les rasas, tu les as vus sur la coque? C'est vrai ça, ouais. Sérieux? Oui, allô? Ouais, attends, ça. Oui? Ok, parfait. Merci beaucoup. Bah, ça y est, raccroche, okay, là, réponds à tes appels plus tard. Merci. C'était eux, les gars. Qui eux? Rapproche-toi, Rupert. Wow, quoi, tu me galoches? Quoi? Beretta. Eh ben. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, je vais enfin avoir ma cargaison. Quoi? Ouais, ça y est, enfin. Attends, ils vont te livrer là? Ouais, je vous mets dans le plafond, vous inquiétez pas, je vais parler de toi. Je peux parler de toi ou pas? Attends, il va te livrer combien là? Je sais pas. Si vous voulez, je reviens direct après, de toute façon. Attends, juste. Là, t'as rendez-vous avec lui pour parler? Ouais, parler. Mais il va me passer normalement ma commande, là, il m'a dit. Ok. Ta commande, tu as commandé combien? Bah, je sais pas, il m'a dit, je vais voir sur le moment. Vas-y, essaie de commander. Toi, tu comptes commander combien, toi, déjà? Ah, tu veux que je prenne le max pour vous aussi? Ouais, dis-moi, tu comptes commander combien? Ce fils de pute, tu boycottes. 4-5. Mais s'il m'autorise à en prendre plus, je prends plus, non? Après, au pire, j'en prends 4 pour moi, une pour vous. Quoi? Bah, si le max c'est 5, par exemple. Écoute, va au rendez-vous, ok? Et dis-lui combien tu peux, parce que d'habitude, c'est pas la foire fouille, hein. Il dit pas, ouais, tu prends autant que tu veux. Tu me dis combien tu peux prendre, tu me dis si toi, tu vas prendre pour toi, s'il y a moyen de se caler dans le truc, on s'arrange sur un prix, c'est bon? Vas-y, c'est bon. Mais c'est quoi cette histoire-là, des rasas? Rasas sur la coque? Alors, les rasas, je sais qu'ils sont sur la coque, ouais. Leur drogue, c'est la coque, ils revendiquent la coque, hein. Mais quoi? Mais alors, dites pas que c'est moi. Tu les as vus quand? Tu les as vus quand, là? Là-bas? Mais tous les jours, ils revendiquent la coque, les gars. Ils revendiquent ma bite. Comment ça, ils revendiquent la coque? Et on les a jamais entendus. Ah ouais? Bah pourtant, même hier soir, hein, je suis tombé sur un mec en vert. Il avait des dragues, c'est un Renoir, longue. Et il avait un bandeau vert au-dessus et il tourne en buffalo vert. Et il m'a vu là-bas, donc tu peux lui dire, ouais, t'as vu Erza, je sais pas quoi. Okay. Moi, je suis devant, moi. Ok, vas-y, tranquille. Vas-y, on va se renseigner, bien vu. Je vais à ma commande et... Vas-y, tiens-moi. Je parle pas du tout de vous. Non, parle pas de nous. Tiens-moi au courant, c'est tout. Vas-y. Vas-y, c'est bon, vas-y. Attends. Allez, mon bisou. Non. Allez, mon bisou. Erza, quand même, la bise au moins, juste une bise au moins, fais-lui. La bise, juste une bise, fais-lui. La bise, Erza, vas-y, fais-moi la bise. Non, juste une bise, là, il va pas le faire, là, vas-y. Non, mais là, c'est bon, on rigolait. Non, fais... Petite bise. Mais comment ça, check, je vais t'en mettre une, là, vas-y, mais fais-moi la bise. Je fais un truc, il y a que vous qui le savez. Savez quoi? J'ai jamais embrassé, les gars. Quoi? Oh, j'ai jamais embrassé. C'est une menteuse, c'est une grosse pute, pourquoi elle m'a comme ça? C'est une grosse menteuse, mais attends, donne ton cul partout, là, elle a... Ok. Allo Rupert. Ouais, canine. Ça va ou quoi? Bien et toi? Attends, je fais pas la même erreur que la dernière fois, ça va ou quoi le business? Ça va, et toi, tranquille? Ça va le business, ouais. Tout va bien. Dis-moi, tout à l'heure tu m'as appelé pour de l'acide sulfurique, t'en veux combien? Ben déjà, je voulais savoir le prix définitif parce que ton gars, il... $60. Ah ouais, tu m'as pas dit que tu pouvais me faire à 50, toi? Non. J'étais du Queens, tout ça. 50, c'est le... Je crois que je le touche genre vraiment $5 en dessous, donc je peux pas. 55, c'est bon. Non, 60. Ouais, j'en ai passé de 90 à 70 à 60. Oui, peur. Ok, du coup, $60, je peux en prendre la quantité que je veux, je peux. Ouais. Bon, faut 500 litres. Il y a tout le monde, il leur en faut 500. Vas-y, tout le monde prend 500. Ça. La tête de ma mère, ce soir, vous nous faites des couilles en or, Rupert. Ah ouais, tu te sens bien là, hein, t'es bien. Rupert, je vais bientôt atteindre les 7 chiffres là dans mon coffre, c'est bon ou pas? Ouais, bah ouais, c'est bien. Moi, je les ai déjà, les 7 chiffres. Je te mens pas. Ah, bah ça va. Bah écoute, bien joué à toi. Vas-y. Comment dire? On fait vas-y, ça quand? T'inquiète. On a une livraison à faire avant toi. Faut que je commande de tes 500 et. Tu livres directement ça. Au bar? Ouais, parce que sinon. Vas-y, si carré, tu m'appelles, c'est bon. Vas-y. Vas-y, je vais lui en prendre. Et on a une commande d'acide, les gars, qui va arriver. Ouais, les mecs, m'entendez?
On a une commande d'acide qui va arriver, d'accord. J'ai commandé 500 litres. Ça veut dire on a 500 feuilles de coca normalement là. Et 500, ouais. 500 d'acide. Dès qu'on a tout ça, on va charbonner au labo. On aura à peu près 500 grammes de coke. Et vas-y, on la liquide, sa grand-mère la pute. Faut faire des sous. Vas-y. Tant pis, faut faire des sous le temps que les vendeurs d'armes, voilà quoi, tu connais. Comme ça, on peut anticiper aussi. Ouais. Tu veux qu'on fasse un rendez-vous avec la Raza? Appelle-les, fais semblant que tu veux de la coke, non? Fais genre. Oh là, moi je suis mauvais acteur, moi. Bah, je sais pas, quelqu'un d'autre, celui-là ou quoi? Doubeur, t'es bon acteur, Doubeur. Non, j'appelle l'autre chose pour savoir s'il y a des chargeurs. Allô? Ouais, Ocho. Au niveau de ta pénurie là, la pénurie elle touche aussi les munitions ou pas? Non. Ok, ok, tu peux me débloquer combien de chargeurs là? 3 chargeurs. 5 chargeurs, Ocho, j'en peux plus là, ça fait des semaines et des semaines, j'attends. Eh oui, je sais. Allez, 4. 6. 4. 5. 4. Putain, 5, vas-y, s'il te plaît, là, c'est la crise. Non, non, 4. Vas-y, 4. Le 4. 4, c'est le max que je peux. Vas-y, 4, je te les prends. 2000 unités. Vas-y, vas-y, je te les prends. Ah, c'est passé à 2000 maintenant. Ouais, c'est passé à 2000. Tu te fais des couilles en or, Ocho. T'es un escroc, tu le sais, ça. Ça. C'est pas que je me fais des couilles en or, c'est juste que... On a eu, on va dire que on a eu, comment dire, on a dit nique sa mère la pénurie quoi, donc. Ok. Bah on a remis les prix normaux. Ok, bah vas-y, écoute, je t'en prends 4 et c'est quand que là que tu peux me livrer? De quoi? Tu peux me livrer ça quand? Après, je suis en rendez-vous et tout là. Dès que t'es prêt à me livrer, tu m'appelles, moi je suis dispo. Vas-y, vas-y. Vas-y, à plus tard. Allez hop, livraison de balles, let's go. Mais y'a quoi c'est là-bas? C'est le meilleur snack. C'est le meilleur snack de là-bas. Hein, c'est juste le meilleur snack de là-bas. Il vend l'autre là-bas. Viens, Linux, sa mère, il est où? Il va bien. Fils de pute. Viens là, viens là, viens là, viens là. Viens là, viens là, viens là, viens là. Viens là, viens là, viens là, viens là. Viens là, toi, viens là. Reste au sol. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas où là? Je vends dans mon quartier. Hein? Oh, dans mon trottoir, c'est notre trottoir ça, on t'a déjà dit. Comment ça, c'est ton trottoir? Vas-y, sèche-le. Un trottoir. Sèche-le. Il est au sol. Allez, piétine hein, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Salope, on est plein de pétards. Piétine-le là. J'abuse dessus. Non, abuse pas. Tiens dans ta gueule, enfoiré, va. Sale merde, arrête de vendre sur notre territoire. On m'a dit que c'était le pire snack de Bruxelles. C'était pute. Allô? Qui t'a dit ça? Hey, je t'envoie une pause dans quelques minutes. Ok, je suis prêt. Ouais, viens seul. Je viendrai seul, ouais. Et avec l'argent, bien sûr. Bien sûr. Et vas-y, viens seul, avec l'argent. C'est ce que je... Tu sais, j'ai envie de leur faire des dingueries, eux. Comme quoi? Vas-y, vas-y, tu leur ferais quoi, là, s'ils seraient en face de toi? Là, je le gifle sa mère, t'as vu, déjà. Mais là, non, en vrai de vrai, tu sais ce que j'ai envie de faire. Je te jure, j'ai envie de venir, leur mettre une banane. Et là, c'est que pour des chargeurs. Je crois, prochain coup, avec les armes, là... Je les baise. Vas-y, c'est bon. Vas-y, on prend deux chops. Deux drones. Non, quoi que, moi je vais aller slip-slap slopen. On va une pause. Vas-y, vas-y, moi je vais slap. Ouais, va, parce qu'il veut que je vienne tout seul, de toute façon. Bah, allez, vas-y. Vas-y. Mon mignon. Passe ton arme, s'il te plaît. Oh, j'allais oublier ou quoi? Non, tu me mettras pas de patate. Je vais pas t'en mettre. Mais wesh. Ils sont plus masqués. Mmh.
Bonsoir. Mais bonsoir. Ça va? T'as l'argent? J'ai le fric, ouais. Je vais prendre l'argent. Une voiture qui vient là. Celui à ma droite. Hein? C'est qui? Je sais pas. Je vais prendre le sac. Ouais, prends le sac. Tiens, bouge pas. Alors, hop, 8000 dollars, c'est ça du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Bonsoir, je crois qu'il n'y a pas de MS. Comment ça? Ah, t'es comment? Attends, je vais te revive, Las. Tiens. Parfait, parfait. Écoutez, dès que vous avez de la cargaison, appelez-moi. Hein. Je vous mens pas que. Mais t'en fais pas. Les stocks sont difficiles. Ils sont, comme je te l'ai dit un peu par téléphone, voilà la pénurie, même nous aussi, ça nous casse un peu les couilles, tu vois. Bon, sur les armes, on sait rien faire. Hein. Mais sur les munitions, on s'est un peu moyenné, tu vois. Donc, même sur les munitions, on s'est dit, ouais, tant pis, on va remettre, entre guillemets, le. À bas prix. Au prix que c'était comme avant, donc. C'est quoi ton idée, Las? Ok, on fait comme ça alors. Mais maintenant le prix fixe sera 2000 maintenant. Et le prix des armes, c'est toujours pareil? Pour l'instant, ouais. 10 000 dollars, c'est ça? Pardon? 10 000 dollars? Non, c'est 15 000. Ah, vous avez monté du coup? Avant c'était 10 000, mais après ça est monté à 15 000. Ok. 000. Ok. Mais comme je te l'ai dit, pour l'instant c'est 15 000, mais ça sur les armes, il n'y a pas. En fonction de nos fournisseurs et de ça, il y a moyen que ça augmente ou redescend. Ça, c'est. On se colle, on s'aligne avec nos fournisseurs, si tu préfères. Ouais, je vois le truc. Eh ben, écoutez, pas de problème, on fait comme ça. Hein. C'est plus augmente. Ah, c'est un peu comme la bourse. C'est ça. Exactement, ouais. Okay. Ces munitions, c'est beaucoup plus rare que ça augmente ou descend. Et en termes de logistique. Comment ça se passe? Ça va pour vous? Parce que je vous avoue que moi, ça m'intéresse moi un peu tout ça. Je sais bosser, vous savez. Des messieurs comme vous, ils ont pas envie de se balader à chaque fois avec des grosses armes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vois. Après, pour tout ce qui est des petites armes, etc., on a déjà des personnes qui travaillent pour nous à ce sujet-là. Ah ouais? Ouais. Si tu es intéressé, il suffit d'aller voir dans le Queens. Dans le Queens? Ouais. Ça se tombe bien, je viens de là-bas. Voilà, pour l'instant, on va voir dans le Queens. Après, qui sait, peut-être que. En fonction de mon envie de voir. Qui travaille bien et tout le bordel, bah. Je leur ferai accéder à ce business-là. Mais pour l'instant, il y en a deux, donc. Dans le Queens, il y en a deux? Non, il y en a deux, j'en fais travailler deux là. Ah ok. Et tu peux aller voir dans le Queens si tu veux aussi. Ok. Ça tombe bien, je suis de là-bas du coup. Ça va me faire un plaisir d'aller voir dans le Queens. Ouais, tu sais, si t'as envie de récupérer leur business, tu peux hein. Ah, je me doute bien. Tu sais, montre-moi qu'ils ont pas les épaules pour pouvoir gérer ça et. Tu pourras reprendre le flambeau. Hein. Ok. Pas de problème, on fait comme ça. C'est à toi de voir. Mais ouais. Personne qui sous-traite nos armes a la capacité de le gérer comme il faut et d'avoir les bras pour quiconque se mettrait contre eux en face. Ok. D'accord. S'ils ont collé gros bras là-dessus et qu'ils se font mettre à genoux, c'est pas mon problème. On passera au suivant. Ok, pas de problème, on fait comme ça alors. Le message est bien reçu. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parfait. Bonne soirée, messieurs, et merci pour la marchandise. Très bonne soirée.
Et un petit sous-traitant d'armes du coup. Allô. Tic tac, Wesley, il est minuit passé là, tu me prends pour ton clou de service. Moi j'ai qu'une proposition à te faire. Ouais, je t'écoute. Je t'achète de la cam. Tu m'achètes de la cam. Je t'achète de la coke. Tu m'achètes de la coke pour mettre fin à la guerre. Ouais, peut-être lancer des affaires, tu vois, je sais pas, on verra. Ah ok, ouais, je vois le truc, ouais, putain. Ah là quoi, là. Tu là, t'attendais là. À quoi? Ah, je sais pas, hein. Je m'attendais à t'as beaucoup. T'as déjà pris 20 000 dollars. Écoute, t'as déjà pris 20 000 dollars à mon vieux. Je m'attendais à beaucoup au vu des paroles que tu prononçais. Tu te rappelles, Wesley, quand tu disais que t'étais le king du labo? Mais Rupert, moi je suis chaud de vraiment reprendre ce labo. Mais juste l'ancien, et vas-y, il est pas chaud. Donc, t'as vu, j'écoute les anciens, moi. Après, je te mens pas, t'es j'écoute chaud. J'écoute les anciens, il est pas chaud, il est pas chaud. Et peut-être qu'il est peut-être un peu plus raisonné que toi. Et il se dit que c'est pas le bon moment. Et ouais, que c'est pour ça, c'est un ancien, tu vois. C'est un ancien, je l'écoute. Ok, ok. Moi, je suis prêt à t'acheter de la cam, si tu veux. Prêt à m'acheter de la cam. 20 000 dollars de coke. Tu sais que tu me dois déjà 8 000 dollars. Hey, Rupert, il t'a donné 20 000 dollars. Je pense que ça suffit, ça. Je m'en bats les couilles. C'est la taxe. D'accord. Hey, y a pas de taxe. Ton labo, on l'a à peine utilisé. Wesley, je vais devoir venir te chercher, là. Hey, je t'ai dit, je t'achète de la coke. Ça s'arrête là. Déjà, avant de pouvoir entamer cette deuxième option... Il y a les 8000 dollars restants. Les 8000 dollars, c'est pas mon dos. Il t'a donné 20 000, ça s'arrête à là. Moi, il m'a pas parlé de 28000 dollars, il m'a parlé de 20000. A ton avis, pourquoi 20000 dollars? A ton avis. Je sais pas, pour la taxe du labo, mais la taxe... ça, il l'a payé. Mais il l'a combien, payé, 20000 dollars. De combien était la taxe? 200 pochons. 200 ouais. Pochons x 145, ça fait combien, Wesley? 28000 dollars. Je sais. Mais vous vous êtes arrangé ensemble hier, non? Non, je lui ai dit qu'il restait 8000 dollars, il le sait, t'inquiète pas. Il a dit, quand je peux te ramener avec que lui, il m'a pas dit ça. Il a dit, je peux ramener que 20 000, ben... T'as vu, c'est toi le bras droit, c'est toi, on est d'accord? Ouais. Ben quand il est pas là, il faut savoir prendre des décisions comme t'as fait. T'as vu, quand t'as voulu déclarer la guerre, t'as su le faire quand il était pas là. Alors quand il faut rembourser, tu dois le faire quand il est pas là. Moi, ce soir, je peux te proposer de l'achat de coke. Je peux t'acheter de la coke, là, tout de suite. Tu me payes mes 8000 dollars, après on parle de l'achat. Et après, si je te donne 8000 dollars, je vais pouvoir m'en acheter, t'es conscient de ça? Est-ce que c'est mon problème, ça, Wesley? Et vas-y, tes 8000 dollars, je te les ramène à ton bar tout de suite, c'est bon? Vas-y, à tout de suite. Voici. Tiens, canaille, tiens. Voilà, c'est ça. Hobbit, même. Ouais, c'est moi. Tac. C'est bon. C'est good. Je fais confiance, la flemme de compter, je te rends pas. Ah, t'inquiète, tu sais très bien, les hooligans, on bosse bien, nous. D'ailleurs, là, y'a quoi? Y'a pas un peu de truc, là? Un peu de bis-bis, là? Oh, le Dark Chat. Heureusement que tu me fais penser à ça. Qu'est-ce qu'il y a, le Dark Chat? Vous êtes pas prêts, les gars, je vais vous organiser un truc, vous allez câbler. Ah ouais? Ouais, ça va arriver, là, dans les prochains jours. Non, mais. Rejoins le Dark Chat S majuscule 78. Je l'ai même pas, l'appli. Pour la télécharger. Hop. On peut tout seul. Non, que les têtes. C'est quoi, c'est quoi? Bordel. S majuscule 78. S majuscule 78, ok. Tiens, courant, il y aura des trucs qui vont tomber dessus là. Des grosses récompenses à la clé. Je peux pas aller. S majuscule, tu m'as dit. Hein. Ouais, 78. Non, ça marche pas. Oh. Mais dis pas que c'est 6 maximum. Oh non, je suis bloqué dans le truc, je vais péter un plomb. Ah, je pense que c'est toi. Attends. Ça marche pas. Tu veux qu'on te file un Nokia 3310, peut-être ça marchera mieux. Quoi, mais comment ça? On n'est pas bloqué. S78, hein, on est d'accord, ou 60 ouais. Et 18. Non, 7-8. S majuscule 7-8. Ah, on est d'accord. Ils aiment bien voir. Ah ouais. Ils sont là. Ils aiment bien voir. Qui est là? 305. On a affaire avec eux. Bah vas-y, c'est tout, je vais voir plus tard. Non, ça marche vas-y. Bon, au pire, si je vois que t'es pas cool, je passerai par un autre moyen. Vas-y, on fait comme ça. Vas-y. Ils sont où les 305 là, le gars? Tu
Oui. Ce qui a dit son art. Non, j'ai tout posé dans le bar. Il manque 50 là, chef. Ouais, mais je m'en bats les couilles, moi je suis pas un broker, c'est pourquoi tu me dis ça. Il manque combien à donner ? Il manque 50. Attendez, attendez, bon. Canine. On a, c'est bon, c'est bon. Vas-y, c'est bon, ça, c'est bon, vas-y. Dit, ils sont là. C'est ça, je vous ai dit, ils sont là. Mais les gars, exprimez-vous bien dans vos phrases, hein. Ça y est, y'en a, ils ont pas le contexte. Ils sont là, moi je pensais que tu parlais des 305 qui venaient. Bah, ouais, c'est Yorem qui sait. Parce qu'on les cherchait tous les deux. Mais ouais, j'ai capté. Ok, on a le compte. Vas-y, maintenant qu'ils sont taillés, on peut mettre là-bas. Attends, pas maintenant. Non, on attend les 305. Les 305 arrivent, je viens de te dire. Faut rester à l'affût. J'ai récupéré 4 chargeurs aussi. C'est incroyable. Oh putain, le timing de fou que t'as eu n'empêche. Bah comment? Mais je savais que vous m'aviez vu. Hein. Mais on savait pas que c'était toi, on a juste la voiture. C'était toi. Imagine bien. Ouais, salut, ça va les mecs? Salut les autres, ça va bien. Ouais, ça va, ouais, vite fait quoi. Vas-y, venez dans le bar là. On relève la tête, mon gars. Allez, on peut jouer bien, yo? Non, on a pas de boule. Regarde le terrain. Yo, le tapis, il est mort, yo. Table. Bon, du coup, là, on va avoir une bonne vraie discussion. Hormis l'argent, on va avoir une discussion qui doit rester intemporelle, on va dire, parce que je te dis, les deux sons de cloche à chaque fois entre toi et l'ancien, ça commence à me faire chier, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je peux comprendre. Vous êtes pas organisé, vous avez pas les mêmes décisions, vous voulez pas les mêmes choses. Putain, Wesley, prends une équipe avec toi et pars-toi, je sais pas, moi, fais un truc. Ouais, t'inquiète pas. Bref. Je suis en train de réfléchir. Là, à l'heure actuelle, t'as vu, les 8 000 $, comme j'ai dit, ça compte en plus des 20 000, ce qui fait 28 000 $, c'est votre taxe. Que vous ayez travaillé ou non dans ce labo, moi, pourquoi je l'ai imposé, ce truc-là, c'est que j'estime que quand vous vous engagez dans un truc, et que après derrière, en plus, quand on a des conflits, vous nous dites vous nous payez pas et vous nous narguez, téléphone, notamment toi Wesley qui me dit ouais, je travaille bien à ton labo et en plus je sais que c'était du bluff, hein. T'as pas mis un pied là-bas, parce que je le contrôle encore une fois comme je t'ai dit. J'ai vraiment mis les pieds là-bas pour le coup. Ouais, mais t'as bon, mis les pieds, t'as mis un orteil, t'as des guerpilles. Tout le monde, une petite fourmi, tu crois que je vais l'avoir? Moi je te parle de vraie production dans ce labo. Si tu t'es fait ta petite conso personnelle, ah, tu te doutes bien que bien sûr tu pourras la faire. Bref, là n'est pas le sujet. Entre tout ça, t'es clairement monté au créneau pour monter sur une guerre pour ce labo. Je me trompe ou pas? Ouais, en effet. Parce que tu vois, quand je dis ça à l'ancien et qu'il me dit non, c'est pas vrai, tout ça, ça me casse les couilles. Écoute, je l'ai tenu au courant. C'est pas de ma faute s'il a des problèmes dans son crâne. Ouais, ben voilà, tu vois. Du coup, maintenant tu te doutes bien que pour terminer cette guerre, que tu le veuilles ou non, faut bien quelque chose qui compense. Une guerre, c'est quelque chose de gros. Quand tu me dis que tu veux me racheter juste de la cam, des clients, j'en ai partout, Wesley. Et j'ai pas mieux à te proposer pour l'instant, de la cam à t'acheter. Ta cam à acheter, ok. T'as vu, on commencera par une petite commande à 16 000 du coup, et après on augmentera au pire si tu veux. Moi j'ai un petit truc, moi, qui me turlupine dans le cerveau depuis ce soir. Depuis quelques jours même. Ouais, dis-moi. Tu te rappelles quand... Je sais pas si t'étais là, mais les autres qui étaient là. Vous cherchiez à avoir la pause de... du Fight Club. Ouais. Je veux savoir ce que vous avez fait ce soir-là. Rien du tout. Sache que tes réponses détermineront si oui ou non il y a fin de guerre. Vas-y, pose-moi tes questions, je te répondrai. Il y a des mecs qui ont tiré autour. J'ai des informations qui remontent à vous. Maintenant, soit vous posez ça sur la table, et puis c'est réglé une bonne fois pour toutes. Soit vous me niez là tout de suite et vous assumez pas. Et je serai votre pire cauchemar, les gars. Je vais pas te mentir, j'aurais tiré dans ton fight club. Je vais pas te mentir, je t'aurais appelé aussitôt pour venir te narguer, t'as vu?
Personne n'a tiré, c'est moi qui gère les Glock, c'est moi qui gère les munitions, les armes blanches. Y a rien qui est sorti ce soir-là. Les copains autour là. Hey, yo, on n'a pas de munitions en plus, yo, on en a trois. Ils ont accès à rien, c'est moi qui ai accès à je te jure, mon gars, on n'a pas été dans un. Rupert. Ouais. T'as vu tes sources, forcément qu'elles vont être contre nous puisque t'as des problèmes avec nous. Capté. Nous, je te jure. On n'a jamais tiré dans ton truc. Ça vous étiez prêt à payer $5,000 un groupe pour avoir cette pause. Ok. Donc ah ouais. Attends. J'aimerais bien savoir quel groupe, Rupert, parce qu'on parle à aucun groupe, nous. Je te dis qu'un groupe m'a donné cette info. Je te doute bien que. Je doute bien que je vais pas te donner ma source, mais ces mecs-là m'ont garanti que vous étiez prêt à payer $5,000. Rupert, ta source, elle pue. Regarde. Je vais te dire pourquoi elle pue pas. T'as vu, vous êtes encore en train de mentir. On a eu l'information le jour où on était face à Tonton. Il a assumé, Tonton. Tonton a assumé ça ? T'es en train de mentir, Rupert. Là, tu me mens actuellement. Attends, mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Pas notre genre. Non, je suis très sérieux. Je suis très, très sérieux. Mais non, aucun de mes gars. Sont sérieux. Tu crois qu'il va te mentir ? Aucun de mes gars actuellement a demandé à un groupe de chercher la position contre $5,000. Personne. Personne. Et ça, tu peux en être sûr. J'en suis sûr. Willem. De toute façon, j'avais trouvé l'endroit sans même. T'as le nom, t'as le groupe, toi. J'ai le nom, mais j'ai pas le numéro. Attends, je regarde si j'ai le numéro. Vas-y, vérifie. Moi, le nom du groupe. T'inquiète. Vas-y. Ouais, c'est ça, Bastien. J'ai le numéro de leur lead, je vous le donne. Vas-y. Appelle-le. Appelle-le et demande-lui. Nous le parlerons. Hein. Ah bah... Attends, mais avant, si... Téléphone éteint. Qu'est-ce qu'on leur fait ? Ah, tranquille. Mon gars, je suis là pour discuter, je suis pas dans une démarche de mentir ou quoi que ce soit. Il est pas là, Dober ? Non, il est pas là. Tranquille, tu sais quoi ? Ouais, dis-moi. Ce n'est que partie remise. Mon gars, on aurait quoi ? Pourquoi on te mentirait, genre, vas-y frérot, on te cherche chez toi, on le dit frère, y'a rien, qu'est-ce que... Ça change. Et tous mes gars peuvent te confirmer que si je serais venu tirer dans ton truc, j'aurais été le premier à t'appeler et te narguer. Tous mes gars peuvent te bien dire sûr, ça. Mon gars. Si j'aurais tiré, crois-moi, je t'aurais appelé direct. Et qu'est-ce que tu veux tirer, gars? On a 3 munitions. Oui, même, pourquoi faire, mon gars? Mets ta gueule, TK. Ok, ah bah écoute, je vais vous laisser le bon soupçon, comme on dit. Bénéfice du doute, pas de galère. Le truc là que tu me dis, ouais, me prendre de la drogue pour la fin de la guerre, je te mens pas. C'est quelque chose de très léger. Hein. Écoute, on commence par une petite commande le temps que je me refasse. Et après, on augmente les commandes. Yo, Wesley, j'ai une question, yo. Après. J'ai pas mieux à te proposer pour l'instant. Qu'est-ce qui t'a appris à engager un truc comme ça là? Je t'avais dit que t'allais pas assumer ou pas? Tu te rappelles dans ce putain de couloir? Je vais pas te mentir que on était tous prêts à assumer, tu vois. Juste l'ancien était en désaccord. Non, ta gueule, RPV. L'ancien était en désaccord avec nous. On a préféré écouter notre ancien, écoute. Après, il a fait un peu les trucs derrière notre dos. Ça le regarde lui, ça le regarde nous. Et on réglera ça au quartier, tu vois. Moi, si je suis là, c'est l'ancien, il a dit on arrête ça, on paye. Je paye et je me casse. Et après, je te passe des commandes. T'as vu, moi, je suis en capacité d'assumer cette guerre. Et je l'aurais fait s'il n'y avait pas l'ancien. Mais bon, j'écoute les anciens, tu vois. Ils ont plus d'expérience que nous. Mais tu peux pas me dire que t'es en capacité d'assumer cette guerre. Tu sais, pour une guerre, Wesley, c'est que c'est pas uniquement une paire de balls qu'il faut. Hein. Ouais, je sais bien. Tu sais ça, moi. En termes de logistique, ton gars, il m'étale que vous avez que 3 balles. Vous allez faire quoi? Vous avez même pas un chargeur? Il est même pas au courant de ce qu'il y a dans le coffre. Vous avez même pas assez d'armes? J'ai assez d'armes, j'ai assez de balles. Bah très bien, pour mettre fin à la guerre, tu vas me donner des balles alors. C'est nickel ça. Si tu veux une fin de guerre, laisse-moi compter ça, estime à combien? Sachant que c'est à peu près $2,000 le chargeur. C'est $1,000 le chargeur. Non, ça a monté. J'en ai acheté tout à l'heure. C'est $2,000. Mais ça t'arrange. Crois-moi que ça t'arrange que c'est $2,000 en plus. Je suis en train de faire un calcul dans ma tête là. D'accord. Moi, ce qui m'arrange, c'est de commander de la drogue.
Ah mais moi je m'en bats les couilles de ce qui t'arrange. C'est toi qui veux mettre fin à la guerre, pas moi. C'est toi qui me parles de fin de guerre là. Bah vas-y alors, bah vas-y, viens, on s'encule. Bah vas-y, repartez du bar, paye-moi les 8 000 $. On se revoit dans 5 minutes. Non. Vas-y, envoie. On va se la faire comme ça. On discute. Regarde, c'est simple. T'as vu, là, je t'ai dit tout de suite, hein. La fin de la guerre, c'est pas moi qui la veux. T'as vu, quand il y avait ton putain de chef, là, le tonton, qui était en train de me dire, je plie le genou, c'est la fin de la guerre, c'était pas moi qui le disais, d'accord? C'est-à-dire maintenant, soit vous êtes corda sur le truc, soit là maintenant tu me donnes les 8 000 $ et on met pas fin à cette guerre. J'ai pas de munitions à donner. Comment ça t'as pas de munitions? Comment ça t'as pas de munitions? Tu viens de me dire que t'as des munitions. Et j'ai pas assez pour t'en donner, pas sur de la drogue. Je t'ai dit, c'est ce qui m'a arrangé. Tu te fous vraiment de ma gueule en fait, Wesley. Hein. C'est pas bon le mensonge. Hein. T'es jusqu'au bout, hein. Tu continues. Yo. Sors. Va devant. T'inquiète, vous inquiétez pas, je vais aller avec elle. Hein? Non mais regarde. T'as pas de munitions. Tu me dis, il y a 5 minutes, tu me dis que t'as des munitions pour assumer une guerre. J'ai pas assez de munitions pour t'en donner. T'as vu, il faut que je protège mes gars. J'ai besoin de garder ce qui me reste. C'est pour ça que je t'ai proposé d'acheter de la drogue. J'ai que ça à te proposer. T'as vu, là, j'étais 8 000 $. Après, derrière, on passe sur une commande directe. Après, lendemain, recommande. Ainsi de suite. Ok, on gagne la guerre et on ouvre le business. Après, si tu veux pas faire du business, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? T'as vu, je vais pas baisser mon pantalon plus que ça. Parce que mon gars, je te dis, en vrai, prendre ta drogue, la vendre, on te vend à notre dignité surtout, tu vois, c'est pas de la drogue qu'on te vend, c'est notre dignité, donc c'est pour ça, c'est ça le prix, mon gars. Vous allez prendre pour combien, là, de la drogue? Là, j'ai... Vous pouvez prendre pour combien? Pour 15 000, demain, je te reprends. Après-demain, je te reprends. Et si tu peux produire assez rapidement, je peux t'en prendre 2 fois dans la soirée. Vas-y, ok. Bah écoute, file-moi les 8 000 $, et ce soir, tu me prends déjà une cargaison pour 15 000. Okay. Je te recontacte dans pas longtemps pour t'envoyer la pose de la position. Je te ramène avec le fric. Je vous file la drogue et voilà. Je te préviens, une chose qui soit bien bien claire. Vous me baisez une fois sur un rendez-vous. J'ai vraiment, mais vraiment plus aucun retour en arrière. Vous me dites fin de guerre ou quoi, je m'en bats les couilles. Je vous annule. Je cherche plus à perdre mon temps. Qu'on soit clair et sur on ça. On est là pour discuter, je suis pas là pour te baiser. Non mais je te préviens, je t'ai laissé suffisamment de chance. T'as vu, dans tous les conflits qu'on a eu, à chaque fois je vous ai laissé des chances. Rappelle-toi la première fois, hein, quand t'avais entre les mains. Rappelle-toi, hein, quand vous a dit de payer une première fois, ça a été réglé, etc. Maintenant, oubliez pas tout ça. Si vous tentez quoi que ce soit, je ne serai plus en mesure d'être raisonné. Je verrai et la que personne du rouge. Qui a fait l'erreur, et la personne qui a fait l'erreur, qui nous a pas tenu au courant, elle est morte. On règle aussi nos problèmes. Tu vois, ce soir-là, c'était pas notre faute. On n'était pas au courant. Et la personne en a payé de sa vie. Ok. Vas-y, moi, je vous envoie une pause après pour la quantité. Ça marche. Vas-y, à plus tard. Oh là là, mais c'est un truc de fou. Il n'y a aucun restaurant d'ouvert. Je vais péter un câble. De toute façon, non, mais on va commander pour... Ramenez Arza, là. Faites la rentrée, là. Elle est partie. Elles sont parties. Elle voulait quoi? Je t'appelle si tu veux. Je sais pas. Ouais, attends, Rupert, ouais, alors. Dans le Queen, si vous voulez. Ouais, Rupert, t'as reçu mon message? Non, dis-moi, tu m'as dit quoi? En gros, je t'ai dit, t'as vu, ça fait 30-45 minutes, on est devant leur quartier, personne, aucun signe de vie. J'étais en rendez-vous avec eux, ils ont plié le genou là. On se voit après pour discuter. Vas-y, ça marche. Ce qu'on s'est dit, c'est bon? Vas-y, ça marche. Vas-y. Du coup. Tu les crois? Là, pour retirer, ouais, moi aussi je l'ai pas. Elle te rappelle, Erza, elle est repartie sur Manhattan. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas. Attends, y'a un mec qui m'a appelé. Le russe, il m'a dit qu'il a vu un mec se faire coucher. C'est-à-dire, c'est vraiment un gang qui a tiré sur un autre mec. Ok. Ouais, allô alors. Ouais, c'est qui? Bah, comment c'est qui? Ah, si, c'est Ninia. Ninia? Ouais, je t'ai appelé le duel et on devait se voir et on s'est pas vu. Ah, ouais, ok. Vas-y. T'es dispo là? Ouais, je suis dispo, on m'envoie une pause. Bah, envoie-moi une pause, toi, parce que moi je suis en moto. Je t'envoie une pause dans 2 minutes, vas-y. Vas-y. Eh, les gars. On va faire du labo, nous. Ouais, vas-y. Allez vous équiper, oui. faites de la quantité. De toute façon, c'est rapide. Oui. Et comment dire? Moi, je vais aller, j'ai un rendez-vous là, ok? Prenez plus que 25, hein. Prenez 30. Prenez ce que vous voulez, c'est bon. Juste soyez à l'affût, c'est bon, j'arrive. Ouais, bien sûr. Et on dit quoi si jamais vraiment?
Ouais, les poulettes. Ouais. Ça va ou quoi? Ouais, putain, j'ai eu peur. Panique. Ah ouais, je suis obligé, les gars, je suis obligé. Qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu paniques comme ça? Non, on sait jamais, parce qu'il essaye de m'attraper depuis tout à l'heure, Léon. Ah, Léon, il te veut? Ouais, il essaye, mais il a raté encore. Ok. Bon. T'as vendu 3 armes, fils de pute. Ouais. On est d'accord, on parle bien de Ocho. Ouais. C'est ça ou pas? Pourquoi toi, tu connais quelqu'un d'autre? Ouais, je connais d'autres personnes. Tu connais qui? D'autres personnes, putain, Erza. Bon, bah, je te confirmerai pas le contact, mais en tout cas, c'était 3 et suis ton instinct. Comment ça, c'était 3 et suis ton instinct? Putain, tu joues à quoi, Erza, là? Tu joues à quoi, là? Je sais. C'est qui, putain? J'ai envie de savoir, parce que si c'est ce fils de pute, je vais lui tomber dessus. Voilà, je te le dis clairement, là. Tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Ouais, allô? Ouais. Attends. C'est bon, on s'entend là. Allô? Ouais, c'est bon. Allô, ouais. Elle putain, et ça casse les couilles de sang. Oh là là. Bon, je disais. Vas-y, confirme-moi que c'est lui parce que je vais l'enculer. Voilà, je te le dis. Il se fout trop de ma gueule. Je te jure, je peux pas te confirmer ça, Rupert. C'est important. Bah, je sais. Bah, alors, t'as vu, en échange, tu me dis un autre contact. Comme ça, au moins, on est égalité. Tu veux un autre contact? Ouais. C'est-à-dire que c'est lui alors si tu veux un autre? Non, moi je te confirme parce qu'on peut-être on n'a pas les mêmes. Bah, c'est qui ton contact alors? Bah, d'abord, je te donne un autre contact. Vas-y. Dis-moi si c'est lui ou pas. Dis-moi toi si c'est lui, que je t'ai dit. Ocho. Attends, écoute-moi. T'as vu, toi, dans tous les cas, la personne que tu vas aller niquer là? Ouais. Faudra jamais que tu dises que c'est moi. Mais non, je suis pas bête. Et qu'est-ce qui me le prouve ça? Je suis un mec de parole. Tu sais, j'ai pas peur de dire les choses. Hein. Oui, mais comment tu vas lui dire tu vas dire, ouais, tu viens de servir quelqu'un, alors ça se trouve, il a servi. Non. C'est ça, attends, en fait. Bouge pas. C'est que t'es pas bouge la première. Pas. Allô? Ça va. Vous avez un look d'enfer, les filles. Hein. Merci. De rien, les poulettes. Ah là là, putain. Ça va, tata Sarah, ça passe bien? Ouais, ça se passe bien, ouais, tranquille. Hein. Et vous faites traquer, vous? Ouais, on n'a pas le temps de respirer, là. Parle plus fort. On n'a pas le temps de respirer, là. Sérieux? Ah oui. Pourquoi il y a des gens qui veulent s'attaquer à vous? Ouais, c'est ça, exactement. C'est bien, vous êtes solide. Je sais pas si c'est Ocho, ou on parle de quelqu'un d'autre. Et du coup, maintenant, vous êtes équipé pour répliquer, c'est bien, ça. C'est ça. Vous voulez pas m'acheter de la coke? Mais ça ne nous intéresse pas, la cocaïne. Pourquoi? Bah, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop. C'est quoi qui vous intéresse, vous? Ah, tu vois, avec Erza. Ok. Ouais. Oh, je t'envoie une pause, viens. Vas-y, je vous envoie une pause. Tu peux envoyer une pause à Tariq et tout ou pas? Ils veulent venir boire un verre? Bah, ils connaissent l'endroit du bar, hein. Ouais, ils peuvent venir. Vas-y. Du coup. Vas-y, c'est qui ton putain de vendeur là? Là, y a d'autres gens qui t'ont dit ouais, ils m'ont servi ce soir? Ouais, non, pas que ce soir, ça fait plusieurs. Ça fait plusieurs fois, voilà, c'est pour ça que je te dis ça. Moi, je te fais confiance, t'as vu, je vais te le dire. Mais ne me baisse pas, hein. Si je te baisse, c'est dans un autre contexte, d'accord? Oui, bon, non plus, hein? Mais qu'est-ce que j'allais dire? Dis-moi, moi, vas-y, dis-moi. Ouais, c'est vraiment lui, mais. Mais le truc, c'est que. Faut pas que tu le dises, parce qu'il va plus jamais me servir. Et je suis pas con, je vais pas niquer un truc comme ça. Mais par contre, ils m'ont donné 3 pétards! Sache que ça fait une semaine que je lui demande des pétards à ce fils de pute. Une semaine, tu te fous de ma gueule, ça fait presque 3 semaines, moi. Non, mais pour te dire, bah, tu vois. En fait, non. En fait, je suis une ouf, moi. Je t'ai menti. Ça fait pas si longtemps que ça que je leur ai demandé à eux. Hein. Ah, et bref. En fait, j'ai cherché le vendeur partout pendant très très longtemps, c'est pour ça.
Et quoi, il t'a pas dit ouais. Bloqué 3 ans, ce fils de pute. Il t'a pas dit ouais, en échange, tu me fais des. Tu me rends service, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non. Mmh. Pourquoi il t'a dit ça, toi? Bah, en fait, moi j'ai demandé ouais. Hein. Elle donne trop d'infos. Ouais, tu veux faire un petit pourcentage, etc. Hein? Et du coup? Oh. Oh là là. Vous m'entendez, vous, les filles? Ouais. C'est QL, ça le fait ça là. Ouais. Non, moi aussi. Moi ça me le fait en début de soirée, ça. Je l'appelle. Non, je vais me prendre à boire, moi. Allô? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça, Greg, ça y est, s'il te plaît, la meilleure. Bien sûr. Et un petit rhum. Ah là là, putain! Tu vas boire aussi? Faut voir. Ah, c'est bon, à boire, c'est bon. Ok. Retournez-vous, les filles, je suis à poil! Vas-y, t'inquiète! Oh. Hop là! Je vous ai vu, il y en a une d'entre vous là qui s'est retournée là. C'est quoi non, mais... qui. C'est quoi le délire là? Je préfère cette tenue, mais t'aurais dû mettre un petit jogging en dessous. Ouais. Et quoi les autres contacts que t'as pour les armes? Ils sont comment? Ils sont bien ou ils puent? Y'a rien, y'a rien. Ils dorment. Et ils servent d'autres? Je sais pas, justement, je sais pas. Je suis en train de réfléchir un petit peu là. Mon cerveau, il. Il bouillonne, hein? Il bouillonne, ouais. Et attends, rassure-moi. Il te les a fait à combien, là? Les trois Beretta plus les trois chargeurs, 51 000 ou 52 000, je sais plus. Du coup, il t'a fait à 15 000 l'unité, le pétard. 30. Ah si, c'est ça. Quoi, elle a encore un problème? M'entendez-vous, ouais. Les filles? Oui. Mais on t'entend, c'est qu'il y a des problèmes. Ah ouais, mais elle, c'est trop, elle. Oh, elle doit péter son crâne. Mais c'est chacune son tour, hein. Ah ouais? Ouais, oui. Au moment, c'était tout le temps moi. C'était moi aussi, après. Ouais. Ok, putain, bon, ça fait chier, hein. Ok, je vois le truc. Il vous a mis bien, ça va, estimez-vous heureuse d'avoir eu quelque chose au moins. Ah mais je te jure qu'on est très heureuse. Et en termes de business là, vous, c'est quoi, vous prenez toujours de la cam à Léon? Non, ça y est, on arrête. On l'a fait une fois, c'est exceptionnel. On ok. On n'a plus rien. Ok, c'est bien. Ça va, Erza? Ouais. Mais les gars, Léon, il s'est fait éteindre par tout le monde ce soir. Comment ça? Eh ben, c'est bien fait pour lui. Bah, en gros, et tu sais que, tu sais, ils m'ont dit quoi les autres? Ils m'ont dit la vie de ma mère, c'était pour te défendre. Hein? Mais en fait, je comprends pas. Moi, je pense pas, hein. Je pense qu'il ment, hein. Mais j'ai la vie de sa mère, il m'a dit ouais, moi, ça y est, moi, la guerre était finie. Enfin, où tu veux que je le rebaise une deuxième fois, t'as capté? De quoi? Il s'est passé quoi pour Léon ce soir? Mais Léon, en fait, il est venu dans mon quartier, il a shoot mes deux sœurs, là. Ouais. Et ensuite, il est... Ensuite, moi, j'y suis allée, je l'ai tué à lui. Ensuite, tu l'as shoot, ouais. Ouais. Et ensuite, bah, il est revenu dans mon quartier. Et en fait, au moment où on s'est contrebraqué, les HK sont venus au même moment. Et du coup, on s'est tous contrebraqués, tous. Ah ouais, ok, je vois le délire, en mode... C'était... Et moi, j'avais le même problème qu'Erza. Ah, à ce moment-là. Exactement. Eh ouais, ça pire moment. C'est vraiment le pire moment, ça. Ok. Vraiment. Ça s'est tiré dessus ou pas? Ouais, je me suis pris une balle. Vous êtes... Rupert. Quoi? Il y a deux buffalo, 8 mecs devant là qui attendent la balle, ça fait... On est où? Mais c'est... C'est les HK, non? Ouais, c'est les HK. Ouais, c'est ça. Mais c'est qui là-bas, là? C'est eux ou pas? C'est nous. Ah bah c'est eux, ils voulaient venir au bar, non? Mais c'est qui les voitures là-bas qui attendent là? Ouais, c'est qui? Je sais pas, c'est l'HK ou pas vous? En face là-bas, avec les buffs.
Je sais pas du tout, moi je viens d'arriver. Ok. Attends, là-bas. Je sais pas, je vais aller le voir. Je sais pas, c'est bizarre un peu, non ? Restez là avant, s'il se passe un truc. Ouais les mecs ! Ça va, tranquille ? Ça va, tranquille, toi. Okay. C'est qui, là ? Ouais, vas-y, carré. C'est Sony. Prends une équipe et rejoins-nous. Mais ils savent pas vous rejoindre, ils savent pas vous reconnaître, vos gars, ou quoi ? Qui ça ? Les HK, il y a des HK devant le bar, je leur dis c'est qui devant, ils savent même pas c'est qui, c'est trop de balles. Venez, on est tellement nombreux que... Hein. Fais des ballons. Vous êtes sous ballon là. Des ballons. Sous protoxyde d'azote. Ok, c'est cool. C'est quoi, vous voulez faire quoi là? Passer au bar? Ah mais... Ouais. Ah, il y a des bonbonnes au bar ou... Il y a des bonbonnes, t'inquiète. Est-ce qu'il faut? Ah, faut que je parle à Erza, moi je vais me marier les gars. J'ai attrapé Léon. Bah vas-y, elle est là, on va lui parler. Vas-y. Merci Ruben. C'est des fous, c'est qui ça? C'est les HK, je sais pas ce qu'ils branlent. Pourquoi ils sont posés là comme des opposants? Je sais pas, ils étaient là ils étaient là en mode guerre là. Je te jure. Pourquoi ils sont venus comme ça? Ah putain. Vas-y, on est reparti nous. Ouais. Ah, vous avez pas vas-y, encore, vas-y. Oh Pinel! Ouais, ça va quoi? Ça va bien, ça raconte quoi là? Ouais, tranquille. Reaper, tu connais hein? Je vous ai dit bonjour, qu'est-ce que tu racontes? Non, Reaper, on champion, commence à remonter la pente. Hein. Ah, c'est vrai, le petit champion il est là à côté. C'est Waouh! Calmez-vous là, vous êtes devant le bar des hooligans, bordel de merde! Calmez-vous! Tranquille les gars. Eh oui Erzat, tu me braques les limites, tu braques pas n'importe qui là Erzat, doucement. Eh je comprends rien ce qui se passe. Ah ouais même. Là c'est Lil Mitch, c'est évolué, pas n'importe qui. Reaper. T'as dit quoi? Tu veux faire la guerre entre... Oh non je rigole mon frère, t'es fou quoi. On a pas d'argent pour faire la guerre. Ouais c'est ça, fais attention au pinel. C'est une blague. Ah tranquille. Toi t'es l'ancien. C'est une blague tonton. Bon. Pas à l'ancienne ce que tu faisais, tu nous donnais à manger et tout. Je me rappelle pas. Non, je me rappelle pas trop. Ah, non. Rupert. Quoi? Ah, Rupert. Ah, je suis très. Normalement, tu fais un bisou sur le crâne au champion, non? T'es un fou, toi. Ouais, tu crois que c'est sa mère ou quoi? Bah, je sais pas, je crois qu'on avait une relation. Tu vas remettre ton titre en jeu, d'accord? Quand? Mais vous voulez pas vous garer là, vite fait là? Mais je crois qu'il y a embrouille là, on peut pas. Avec qui? On connaît frère, allez hop, c'est les ennemis. Là on a des priorités là. Ok. Il y a un brouille avec qui? Prochain Fight Club, je vous explique hein. Ça sera des combats au couteau je crois. Et moi j'attends en finale. Ça va se mettre des coups de couteau, on verra. Soit des 2v2. Vas-y. Mais de toute façon... Quoi? RZ sait rien faire. Désolé. Mais tu te mets devant. Je suis désolé. Ils sont nombreux. Mano, tu prends la confiance, Mano. Tu prends la confiance. Ah putain. Je les sens, ils sont pas sereins. Ça se voit, ils sont en guerre. Ils veulent pas descendre des voitures et tout. Tu m'as dit quoi? Quoi? Viens. Viens avec moi. Moi? Parle avec qui? Elle parle avec toi. Ok. Bon sinon attends, c'est comment là vous êtes content, vous êtes en guerre ou quoi là? Y'a rien Ruber. Erza! Y'a plus de guerre! J'ai sauvé le cul à Erza! Ouais, on a fait le cul à Léon Ruber. T'entends ce qui se passe en ville là? Deux jours. Ouais Léon ça y est là. Tiens on lui a fait un boulot à ton pote Léon. Léon l'a fait sucer trois fois d'affilée. C'est trop du cul là c'est mon pote. Non pas ce trop du cul, fils de pute. Eh Léon on va bientôt revenir sur la coke. Ouais bah vas-y hein, je vous attends bien ferme. Y'a pas de taxe Léon, je te jure y'aura pas de taxe Léon par contre. M'appelle pas Léon, je m'appelle Ruber. Rupert, il n'y aura pas de taxe par contre. Je te promets qu'il y aura une taxe. Rupert, s'il te après, plaît. Après, Rupert, on pourra reparler. Écoutez, moi. Je te mens pas, le statut l'a changé, Rupert. Yo, ça ce y est, business, je le contrôle encore aujourd'hui. Des gens payent des taxes. Encore tout à l'heure, c'est venu au bar. Tiens, Rupert, voilà, et ça bosse tranquille. Ouais, mais tu veux, je te dis un truc maintenant, Rupert. Tu sais qui on est, nous? On est le HK Gang, yo, ça a changé maintenant. Le statut l'a changé. Sony, je vais dire un truc. On contrôle depuis un moment, les gars. Je vais dire un truc, Sony, d'accord. Sache que je suis un vieux de la vieille.
Ouais, attends, on te la fait pas, c'est ça? On me la fait pas, celle-là. Ouais, je rigole avec toi, tu connais, tu connais. C'est mon groupe. Là, je vous sens chaud là, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas chaud. Yo, on est sous schéma, on est sous snooze, ça y est là. Toutes les ruptures là, ça y est, elle est dans notre corps là, on est des démons là, ça y est. C'est bien, c'est bien. Sous ballon, tout ça, HKV2 là. Rupert, repère tes bras, Rupert, attention, je recule. Hop, 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 hop. Et ouais, HKV2. Ok, 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 c'est bien, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes relevé, vous êtes relevé. Non, on s'est pas relevé, on est on top. Ah, t'étais au sol à un moment, t'étais on floor à un moment. Ah ouais, non, mais bon, c'est une vision des choses. Moi là, je dis qu'on est au top. Ouais, ouais, vous êtes au top. Rigole, on est toujours des petits clodos. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé là. Ouais, y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais, ouais, j'ai cette impression, tu vois. On n'est plus les mêmes hommes, Rupert, tu le vois. C'est bien, c'est bien. Les mecs solides, vous êtes devenus. Ouais. C'est bien. J'ai gagné le Fight Club, voilà quoi. T'as surmonté ton équipe, je suis fier de toi, Couteau. Merci. Fier de toi, fier de toi. Merci, tonton. Passe doucement dans ma rue, d'accord? Passe doucement dans ma rue. Ok? Ah là, ce que je fais dans ta rue. Oh, passe doucement dans ma rue. Wow! Je fais. Vas-y, montez tous, montez. C'est qui lui? Le chargeur est mort. Hein. Ah. Allez, roule, roule. Attends, mais. Roule, ça, mais roule. Mais pourquoi vous l'avez braqué? Les élus nous ont braqué, je sais pas, c'est qui, moi? Ah, t'es avec l'agent IMO, toi? Non, même pas. Attends, mais quoi? Je comprends pas, mais c'était un agent IMO, le mec, pourquoi le braque? Je sais pas. T'as braqué chez toi, sale salope? C'est pas du tout moi, qu'est-ce que tu racontes, là? Qu'est-ce que tu racontes, là? Hein? Bah, qu'est-ce que ça vient chez toi, ça te braque, là? Tiens dans ta gueule, qu'est-ce que tu racontes? Arrête, moi, pas des claques, je vais rentrer dans ton mur, arrête! Moi, chez moi! Ça me braque pas, moi! S'ils viennent de braquer qui, là? Je sais pas, un mec, un Zwart. T'es sûr de ce que tu me dis, là? Bah ouais, t'as pas vu. C'est pas grave, ça reste entre nous, hein. Mais je l'ai vu. Pas respecté. T'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Toi, t'as vu? Ah ouais, je l'ai vu. Elle est bien, ma nouvelle voiture? Ouais, pas mal. Tu sais, je l'ai acheté combien? Pas mal. 400 000. Elle est bien ou pas? Parce qu'elle m'a coûté cher, hein. Tu l'as pas acheté 400 000. Je l'ai acheté 400 000. Je te jure que t'as pas les fonds. Comment ça? Tu sais que je blanchis toute la ville? Ah ouais? Bah t'es le seul qui est pas venu, hein. Parce que moi, je sais quoi faire de mon argent, tu vois. Ah ouais? Ouais, qui dit que peut-être que je blanchis pas aussi, hein. Eh ouais, putain, fais gaffe. Repère, c'est un vieux de la vieille. Ah, putain. Je comprends, j'ai jamais rien sur ces serves, j'ai l'impression. Je sais même pas, wesh. En fait, les HK, là, ils sont revenus en force. En mode, ils étaient plus bactères. Là, ils se sont remis, ils sont chauds. Et voilà, quoi, t'as capté. Et vas-y, faut que je les DV, ces véhicules, ça. Slash DV. Ignat, attends, depuis une heure, je crois. Ah ouais, c'est vrai. C'est qui là? Ça va, Rupert, tranquille. Ouais, ça va ou quoi? Tranquille, ça raconte quoi? Ça raconte rien de spécial, je sais très bien que tu sais pas qui je suis, tu me prends pour un autre afro. C'est vrai que vous ressemblez tous les soirs, j'en peux plus. Ça va? Ça va et toi, bien? Tranquille, super, ouais. Putain, mais voilà, je te fais vraiment pas respecter. Hein. Ouais, voilà, et par qui? Par qui? Voilà. Il est pas afro dans la voiture, hein? Non, mais ça m'aurait pas étonné. Viens, une bière? Ouais, ouais, viens, tu veux boire une petite bière? Vas-y. Ouais, c'est pas de la pisse de chat que tu bois, toi, hein? Écoute, je bois pas de la pisse de chat, moi, c'est de la bonne bière, putain. Y'a jamais de gonzesse dans ce bar. C'est normal. Ouais, allô? C'est prêt pour les 305. Ça va se faire demain au final. Vas-y, carré. Mais au moins, continue. Si c'est prêt, c'est bon, ouais. Vas-y, continue si vous voulez. C'est bon. Vas-y, je vois avec les gars, vas-y. Tout à l'heure. Oh, chef. Tac, ouais, tac. Bon. Une bière, il nous reste que du rhum.
Je vais me forcer à boire des trucs que... Vas-y, donne un rhum, tu sais quoi, on va goûter. Et le rhum, c'est bon, le rhum. Moi, j'aime pas. Et là, j'ai un palais si, de Doberman. Ah ouais. Je sais pas, c'est les bonnes choses. Allô. C'est qui? Ah ok, j'arrive. Voilà, j'ai rien commandé, moi. Tiens. Qui veut la faire à Big Crazy? C'est bon. C'est gratuit? C'est gratuit, c'est offert par la maison. Ah, vie de ma mère, je commence à t'aimer. Comment ça, tu m'aimais pas? Super, t'es un peu un... T'es un peu ce qu'on peut appeler dans la rue un bâtard. Pourquoi? Ah, on va pas se mentir, Rupert. T'es pas gentil. Je suis pas un bâtard, hein. Je suis un fils de pute, c'est pas pareil. Voilà, et voilà. Et bah, tu vois, le jour où tu comprendras la différence entre les deux et t'arrêteras de t'insulter toi-même, là tu comprendras peut-être il est où le problème. Dis-moi, c'est quoi le problème avec moi, putain? Rupert, le problème c'est que t'es blanc et que t'es raciste, voilà. Et n'importe quoi, je suis conservateur, c'est pas pareil. T'es américain, quoi? Non, pas du tout. Alors là, surtout ouais. Pas. T'as voté pour qui aux prochaines élections? Vas-y, je là. Je vote pas. Voilà. Parce que ça me fait chier. J'aime pas New York. J'ai envie de me barrer, moi. J'ai envie de retourner aux Pays-Bas, tranquille. Quand que mourir, tranquille, putain. Ah, mais tu glisses un petit vote. Tranquille, y'a rien. Qu'est-ce que tu perds, toi, aller voter? Je perds du temps. Voilà. Tu rentres dans le... Tac. Moi, je t'indique. Allez, tu prends ton petit urne. Tu vas voter, toi. Toi, tu vas voter. Ouais, moi j'ai voté, moi. Tu vas voter pour qui? Edwin. Toi, voter pour Edwin. Ouais, bah ouais. C'est que c'est un racelard. Non, c'est tu le sais ou pas? Ah non, c'est l'autre. C'est qui l'autre? Bah, c'est l'autre personne. Il s'appelle comment? Je sais pas, moi. J'ai pas regardé. Je te dis qu'Edwin, c'est un raciste. Bon, vas-y, sors la vidéo. T'as une preuve? T'as quelque chose? Je l'appelle Edwin. Putain, il répond pas. Putain. Regarde, demain je passe. S'il est là, tu mets le haut-parleur et tu parles de nous. Parce que là, toute son... Comment on dit, sa politique va aller baser sur les afros et sur les quartiers sensibles. Oh, comment il se fout de votre gueule. Ça va, Rupert. Pour une fois qu'il y a un mec qui nous tend la main. Tu ouais, mais là, il vous tend la main, mais après, tu vas prendre le revers. Voilà ce qui va se passer. Tu vas voter pour lui, il va vous baiser. C'est bien, allez-y. Continuez, les Oirs, c'est bien, vous êtes intelligents. T'as vu comment on est intelligent? Eh ouais. Pas Be Crazy. Eh non, on la fait pas. Putain, Rupert, je t'aime, mais t'es un enculé, putain. C'est vrai, c'est ce qu'on me dit toujours. Be crazy. Big Rupert. C'est ça. Eh, j'espère ton bar il brûle, hein. Jamais de la vie, jamais. Allô? Allô? Ouais, salut, ça va? Putain, ça va et toi, Bubbles? Ouais, ça va, t'avais pas enregistré mon numéro, fils de pute, va? Si, j'ai enregistré ton numéro, fils de pute, va, tu veux quoi? Bah, putain, c'était toi, là, tu m'as dit, ouais, demain, je vois et tout, tu m'as jamais rappelé, putain. Qu'est-ce que t'as, tu tousses, là, tu vas crever ou quoi? Ouais, je pense bien, putain, je pense bien. Il t'arrive quoi? Ah, je sais pas, ils disent que c'est l'héroïne que je m'injecte dans les veines, le crack que je fume, je sais pas, il détermine encore. ok, je vois le truc, écoute, t'as besoin de quoi là déjà? Tu voulais quoi toi? Déjà, sans faire exprès, ça te dérange pas, j'ai pris un appartement dans vos bâtiments, je savais pas que c'était à vous, toute l'avenue, putain, donc si ça vous dérange pas, est-ce que je peux le garder? T'as pris un appartement dans le... Je vais te niquer ta race. Je vais t'enculer, tu sais que tu vas... T'as pris un bâtiment? Bah c'est très bien. Tu vas bosser pour moi maintenant. T'es mon employé maintenant, c'est bon? Vas-y, descends et monte là. Vas-y, monte. Enfoiré, va. T'es dans ta voiture. T'as dit quoi? Ça te dérange pas, je monte dans ta voiture. C'est moi je t'ai dit de monter. Ouais, je t'ai pas entendu. Eh ouais, enfoiré, va. Ouais. Ma voix frêle, t'as dit? Ouais, oui, tranquille. Ah, c'est moi, les gars. Quoi? Ça se passe pas dessus. Vas-y, bah viens prendre ce qui reste.
Bon, là, ouais. C'est quoi que tu voulais ouais. hier? Ouais, par... putain, ça fait 2 jours, c'était pas hier, putain. Ouais, mais il y a 2 jours, c'est quoi que tu voulais déjà? Bah, si tu m'as dit, ouais, je t'offre un marteau. J'ai dit, ouais, bah, si, offre-moi un marteau. Fils de pute, t'as vu, je t'ai testé, là. Tu te fous de ma gueule, en fait. Tu t'encules. Non, je te jure que non. Et je vais te niquer. Et je vais t'enculer. Attends, est-ce que c'est vraiment chez vous, là-bas, là? Vas-y, tourne à gauche. Là, vas-y, attends. Là, c'est chez moi. Là, c'est chez moi, ouais. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Oui, ça, c'est chez moi, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, où? Encore. Ouais. Encore, là, ce bâtiment, là, le blanc, le dernier, là. Lui à droite, là. Ouais, pas lui, là. Ici, là, à droite. Ouais, là. Ouais. Ouais, c'est pas chez nous. Si, c'est partout chez nous, là. Toute la rue, là. J'ai... Putain. D'accord. Ah, j'ai pas, il y a des gars partout, là. Ouais, c'est vrai, j'ai pas fait exprès. Ça te dérange ou pas? Ah, habite là, petit clochard. Moi. Ok. Moi, t'es plus un clochard, moi. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai toujours été un craquette, hein. J'ai toujours eu moyen de trouver une petite piole, temps à autre, quoi. Ouais, c'est bien. Arrête de me tousser à la gueule, là. Arrête de me tousser à la gueule, putain. Est-ce que tu peux me trouver ce que je cherche ou pas? C'est quoi que déjà, un petit truc pour te défendre là? Ouais, et si, franchement, si tu me l'offres, je t'offre une information de fils de pute. Une information de fils de pute? C'est ça que tu me dis? Ouais. Tiens. Tu m'as dit quoi? Tiens, je t'ai posé ça là, à tes pieds là. Et tu m'as pris pour un joueur de baseball ou quoi, fils de pute? Je veux un truc plus petit, tu vois bien que je suis tout maigre. Eh, c'est soit ça, soit va te faire enculer, c'est bon? Crois-moi que ça fracasse des mères, ça. Alors, si t'es pas content, tu me la rends et tu descends. Ok? Allô, tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, tu me disais quoi, du coup? C'est soit ça, ou soit tu vas te faire enculer, d'accord? Ok, c'est bon, je vais me faire enculer, tiens, récupère ta merde. Voilà, je te l'ai rendu. Tu me l'as pas rendu, fils de pute. Non, je te l'ai pas rendu, non. Je l'ai gardé. Écoute-moi. Tu vois ceux qui habitent vers les 305 ou pas? Ouais. Eh ben, ils voulaient te faire hier. Ils m'ont missionné pour savoir où il était, où ton événement. Ils t'ont missionné pour savoir où il était, où l'événement? Ouais, pour venir te niquer ta race, ouais. Explique-moi. Eh ben, je suis allé dans leur quartier, ils m'ont dit, ouais, les hooligans, ils font quelque chose ce soir, faut savoir où elle est l'adresse. Mais répète pas, sinon je suis mort, hein, putain. Ils m'ont missionné moi et personne d'autre. Combien? Et du coup, combien? Rien du tout, ces fils de pute. Rien du tout. Tu leur as donné l'adresse? Ils m'ont donné un gramme de coke. Tu leur as donné l'adresse, toi? Au moment où je voulais leur donner l'adresse, t'as vu? Je t'attrape par le col, là, tu leur as donné l'adresse ou pas, là? Réponds-moi. Non, réponds-moi, fils de pute, tu leur as donné l'adresse, c'est ça? Je l'ai jamais eu, putain, l'adresse. Et ok. Du coup, au moment où j'allais les appeler pour leur donner une fausse adresse pour qu'ils me donnent mon gramme de coke, ils m'ont dit qu'ils t'avaient rencontré, que ça s'était mal passé. Et là, vous les avez moulonnés, c'est ça? Ouais, on les enculait, ces fils de pute, bien sûr. Voilà. Moi, je pense oui, qu'ils sont au collimateur. J'ai peut-être dit qu'il y avait un flic qui travaillait dans votre bar de temps à autre. Il joue un clochard. Ok. Un flic qui traînait dans notre bar, c'est qui le flic? Ouais, il vend des bières, ouais, il s'appelle John. Comment ça un flic qui vend des bières chez nous? Qu'est-ce que tu racontes? Je te jure que c'est vrai. Et ton pote là, il m'a dit, ouais bah c'est un blanc, on en a rien à foutre. Il a le droit de donner des coups de main. J'ai dit, ah ouais, vous êtes bizarre vous. Il m'a dit le temps que c'est un blanc, moi ça me va. Jamais de la vie ça, jamais. Eh ben, renseigne-toi putain. Attends, un flic qui travaille dans mon bar, mais tu te fous de ma gueule ou quoi là? Je te jure, tu te rappelles quand on est venu, on vous a tous tapé là, il était derrière le bar là. Je l'ai mis KO. Ouais? Il s'appelle John, il traînait avec tous tes potes. Il traînait avec... La dernière fois je l'ai vu, il était avec Bastien. Bastien, ça te dit quelque chose, non? Ouais? Ouais, voilà, il était avec Bastien et je lui ai dit, ouais, alors comme ça vous faites travailler avec des flics. Il m'a dit, ouais, il vient de temps en temps et de toute façon c'est un blanc. Bon, attends, mais c'est quoi cette dinguerie? J'appelle Bastien tout de suite là. Appelle Bastien, vas-y. Ouais. Ouais, tu connais un John? Du LSPD, du NYPD, oui. Et comment ça, il a travaillé au bar là? Mais non, mais c'était pour déconner, c'est des gens, ils sont trop cons. Il a rien travaillé du tout, c'est moi, je lui passais les trucs et après, il récupérait l'argent aux gens et je faisais la facture. Ok, vas-y. Oui, c'est des gens, ils sont trop cons. Ils ont rien vu, ils ont vu que du feu. Ouais.
C'était une blague. Ah, c'était une blague, ouais, ouais. Vous êtes fait infiltrer, c'est ça? Ah, bien sûr, c'est ça. Et du coup, eh ben, je l'ai peut-être dit à deux, trois gens. Quoi? T'as dit quoi aux gens? Ben pour John, parce que moi ça me paraissait trop bizarre cette histoire. C'est que... C'est que je vais t'enculer moi, là. Mais écoute Rupert, moi comme je t'ai dit... Allô? Je savais pas. Ouais, juste pour te prévenir, c'est bon, c'est fait, c'est plus à faire. On a quoi, on a 500 grammes là? Ouais, ouais. Ben, c'est parfait. Ouais. Ben, c'est parfait hein. Mais en vrai là, hé, hey, t'as vu là, cette cadence là là? Et on a moyen de se faire des couilles en or en fait hein. Oui. Je te jure. Si les autres tiennent leur parole, oui. Ouais, vas-y. Si tous les jours ils prennent minimum une cargaison, oui. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, on va casser la bouche au voisin. Vas-y. T'as dit ça à qui et t'as dit ça comment? Il y a un flic qui travaille chez nous, t'as dit, en gros. J'ai dit ouais. Ils sont tellement cons, c'est raciste qu'ils ont même pas vu, il y avait un flic qui travaillait pour eux. Espèce de trop du cul, c'est toi le con dans l'histoire. C'est quoi, je vais t'enculer, je vais te fumer toi, c'est bon. Non, écoute, on va aller dans un coin, je vais te niquer ta mère, voilà, ça te faire du bien. C'est ce que tu mérites, non, c'est ce que tu cherches, non, t'aimes trop ça. C'est quoi, je vais te baiser une bonne fois pour toutes. Répète. Quoi? Peut-être que je peux t'être utile, putain. Comment tu peux m'être utile? Vas-y, trouve une solution tout de suite, parce que là, je me dirige dans un endroit sale où je vais te faire du mal. Ok, voilà, je te le dis là. Peut-être que je pourrais avoir des contacts un peu plus haut que tu peux l'imaginer, tu vois. Continue à baver, j'arrive dans la ruelle sombre là, continue à baver. Non, arrête-toi. Continue à baver là. Je vais où? Je sors de cette ruelle, vas-y, je vais où? Continue. Arrête de me faire crier, comme ça tu me mets la pression, putain. Oh putain, vas-y, arrête-toi, je me sens mal, arrête-toi. Je vais pas m'arrêter, continue, je te dis continue. Dis-moi ce que tu peux faire pour moi, parce que là je vais vraiment dans une ruelle sombre là. T'as un bar, putain, tu blanchis de l'argent avec ton bar, c'est ça? J'ai bien compris. Non, je blanchis pas de l'argent. Là, tu parles de grammes, je sais pas quoi, tu parles de couilles en or. Faut bien que tu te blanchisses ton argent, putain. Ouais, faut bien que je le blanchisse, ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, vas-y. Et ton bar, il te suffit ou pas? Mon quoi? Est-ce que ton bar, il te suffit pour blanchir ton argent? Pour l'instant, j'ai pas l'utilité de blanchir mon argent. Mais quoi, c'est quoi? Tu vas me rediriger vers Russell? C'est ça ce que tu vas faire? T'es malade, toi, hein? Mais t'es malade, je vais t'ouvrir ton propre truc, putain. Tu vas m'ouvrir quoi, là? J'ai des contacts au gouvernement, putain. Tu trouves une entreprise qui t'intéresse, tu me dis, hop, je fais parler mes contacts, putain. Tu te fous complètement de ma gueule, en fait, hein. C'est mais ça, putain, hein. Je crache du sang, tu crois que j'ai que ça à faire, putain. Tu vas me clamser entre les mains pendant que t'ouvres le business, tu rigoles. Mais non, je te jure que non, je suis encore solide, putain, je suis un gailleur. Écoute, moi tu trouves un plan qui t'intéresse pour faire fructifier ton argent et le blanchir. Et moi je te promets que pour un petit pourcentage, eh ben, je t'aide à l'ouvrir. Si ça fit ça. Descends, enculé, descends. Ouais, putain, mais vas-y, ouais, oh. C'est quoi cette histoire là? Je t'ai dit, je me suis là-bas au gouvernement, ils m'aiment tous. Parle-moi technique. Sois technique. Ok. T'ouvres une entreprise, putain. Tout l'argent que ta cam, là, elle te fait, là, que tu peux pas utiliser, enfin, que tu gardes chez toi pour t'acheter des putains de trucs ou te racheter de la cam ou je sais pas. Et ouais. Ben là, tu pourras l'utiliser pour t'acheter des appartements, des voitures et tout en règle, putain. Attends. Ouais, William. Ouais, t'es dans la zone? Ouais, pourquoi? Il y a Bastien, il a tapé trop fort, je crois, à la tête de nos voisins. Putain, ok, vas-y, j'arrive. Vas-y. Monte avec moi. Et du coup, vas-y, continue à m'expliquer. Et du coup, bah là, à ce moment-là, tu ouvres ton entreprise, d'accord? Où tu l'as fait même tenir par quelqu'un, un nom de paille, putain, par quelqu'un que t'as confiance en lui. Et là, tu fais rentrer ton argent de la drogue à l'intérieur de cette entreprise, putain. Et comment je la fais rentrer? Comment je justifie tous ces rentrées? Vas-y. Eh ben, par exemple, imaginons, tu prends un salon de coiffure. Eh ben, par exemple, des coupes que tu mets sur ton compte, par exemple, elles font 10 balles, ok, 10 dollars. Ouais. Eh ben là, tu dis, elles coûtent 20. Attends, attends, attends. Mais non, putain. Il s'appelle Stringer. Stringer, c'est bon.
Oui, c'est bon, merci. C'est pas bon. Ah ouais. Mais t'es une super nounou, toi. Et attends, mais du coup, là... Ouais. Ouais, dis-moi... Et ouais, ben là, je t'explique. Au lieu de faire... Et comment le gouvernement va me servir dedans? Eh ben, c'est eux qui donnent les petits papiers pour ouvrir les entreprises, putain. Mais j'ai déjà mon entreprise. Mais t'as... Mais t'es trop con, toi. Ils savent tous que ton bar, il t'appartient. S'ils vont regarder tes comptes, ils vont les analyser de fond en comble. Faudrait que ce soit une entreprise qui t'appartienne, pas à toi, putain. C'est pour ça que je t'ai dit, trouve un nom de paille. Faut qu'elle appartienne à une personne tierce, ok? Voilà, exactement. Comme ça, si par exemple t'as des démêlés avec la justice, eh ben ils vont pas regarder les comptes bancaires de quelqu'un qui a pas de démêlés avec la justice, putain. Et moi, je me porte garant, putain, pour ouvrir une entreprise. Si tu veux, je peux te trouver quelqu'un ou même moi, tu vois. Moi, j'ai pas de problème avec personne, putain. Mais va te faire enculer, t'as des problèmes avec tout le monde, tu te fous de ma gueule. Mais je te jure, j'ai des problèmes vraiment avec personne. Je suis aimé par tout le monde, hein. Monte tu ici, sais pourquoi, là. Vas-y, rentre, là. Ok, ok, c'est bon, putain. Ouais, c'est une bonne petite pioche, ça. Ah, c'est cool, hein. Tu sais pourquoi je... T'es le seul gars qui m'a jamais proposé de la cam ou qui t'a jamais pensé à que... Voilà, les gens, ils m'utilisent, ils me proposent de la cam, donc je la tape parce que voilà, je suis accro à ça, mais toi, tu m'as jamais proposé, putain. C'est pour ça que j'ai l'impression que t'as un peu d'estime pour moi, quoi. Arrête de me tousser à la gueule. Écarte-toi, là. Ok. Ah, ok, ok, je vois le truc. Peut-être intéressant. J'ai une question, on va voir si tu me dis vrai, parce que je connais la réponse. Vas-y. C'est toi qui as fait en sorte que Stringer puisse blanchir. Oui, c'est moi. C'est quoi ton pourcentage? Je ne sais pas la réponse. Si je la connaissais, la réponse. Ok, ok, si tu la connaissais, ok, ouais, c'est moi, voilà. Mais faut que ça reste entre nous, putain. Faut pas qu'il soit au courant que tu es au courant, putain. Contre quoi t'as fait ça? Bah pour un pourcentage, putain. Tu prends combien avec lui? Là, pour le moment, là, il a commencé à faire un putain de contrat avec le gouvernement. Le gouvernement, ils vont le payer 42 000 $ par semaine. C'est quoi le contrat? C'est pour laver les véhicules du gouvernement, putain. C'est pour ça que moi, je me disais, si t'es intelligent, c'est ou soit tu te mets dans un business de mécanique, les pièces, d'accord? T'essayes de t'approcher d'un garage ou tu te mets dans la vente. La vente de quoi? Ah putain, c'est mieux. T'as pas vu avec les blips? Je suis obligé. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Je suis obligé de l'enlever parce que quand j'affiche les noms. Pendant au moins 5 minutes, je suis dégoûté. T'as vu les blips? Ils se mettent automatiquement. Coup, moi, ce que je te considère comme. Vu que je te considère comme quelqu'un de bien, moi, je te dis, mets-toi dans la nourriture. Dans la coiffure, putain. Et moi, je te dis que la nourriture, c'est bien parce que tu peux faire des contrats avec les UMS, tu peux faire des contrats avec la police, tu peux faire des contrats avec tout le monde, avec le gouvernement. Ah, je vois ce que tu veux dire. Que je les sers, tout ça, ok. Je me mets à ton niveau, putain. Arrête de me pousser à la gueule. Ouais, excuse-moi, putain. Du coup, moi, ce que je te propose, c'est que si t'as une bonne idée d'entreprise, d'accord, et que tu te dis que c'est l'entreprise qui va pouvoir te permettre de je sais pas moi, de putain de blanchir ton argent quoi, une bonne entreprise, et ben moi je peux te mettre en relation avec ceux qui s'occupent de ça quoi. Ok, ok. Écoute, je vais réfléchir à tout ça et je reviens vers toi. C'est intéressant. D'accord. Et là, tu mérites que j'enregistre ton numéro. Je savais que tu ne l'avais pas enregistré, mais c'est pas grave. Allez, putain, on se casse. Attends, deux secondes.
peux récupérer le bout de ce siffle là qu'il y a sur la table. Ce que tu veux. Ah, merci. Et c'est parti. Doubeur, ça va? Même bro, qu'est-ce que tu fais ici? C'est qui lui? C'est un mec avec qui je parlais business, un SDF. Ok. T'es un billet? Il y a des gens qui te suivent, Rupert, fais attention. Ok, ok, merci. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée. Bonne soirée. Je vais l'enculer, lui. Je vais l'enculer. Il veut quoi ce soir, t'as me tout dessus là? Comment ça? Qu'est-ce qu'il veut, il me gratte un billet là? Il veut quoi lui? Je sais rien, il a pas de thune. Ok. Salut les gars. Salut. C'est Doubeur, mon cousin. Excuse-moi de t'avoir dérangé, fils de pute va. Quoi? T'as dit ça à qui là? Bah lui là, il se prend pour qui là? Ah c'est bon, ça peut rester entre nous, putain. Ah ouais, ça reste entre nous, du coup. Il s'est barré. Ouais. Mais comment ça, ils prennent 46 000 dollars par semaine, là? C'est quoi cette dinguerie? 42 000, ouais. 42 000. 42 000. Ouais, mais là c'est... En fait, je vais pas te mentir, hein, il fait... Un kit, il l'achète 40 dollars et il fait le lavage à 200 dollars. Il met 160 dollars dans sa poche. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de lavage? Il y en a jamais, de lavage. Ouais, mais là, il a signé un partenariat avec le gouvernement, là, il va en avoir, là. Mm-hmm. Et tu sais qu'il y a beaucoup de trous du cul qui... Là, je te le dis, hein, que ça reste entre nous, putain. Parce que ce fils de pute, il me donne de la drogue, et j'aime pas trop ceux qui me donnent de la drogue. Il y en a qui viennent blanchir l'argent chez lui, hein. Ouais, je sais. Ah ouais. Tu l'aimes bien, lui? Donc... Ouais, je l'aime bien. Comment ça, tu l'aimes bien? Ouais. Tu l'aimes bien là. Il te donne de la drogue, il te prend pour une sous-merde et tu l'aimes bien. Tu vois pas qu'il y a de l'ironie là? J'ai envie de savoir. Baiser de toute façon tôt ou tard. Quoi? Ah putain, je dis ça mais je t'y le pense pas, putain. Moi tous ceux qui m'ont proposé de la cam, je vais tous les baiser. Voilà, c'est simple. Les petits frères ils se font tirer dessus pour de la cam. Moi j'ai fini mort toxico pour de la cam. Dis-moi, tu revends un peu la cam toi? Tu la consommes? Bien sûr je revends la cam, putain. T'achètes à qui? J'achète à personne, tout le monde me donne. Ah ouais. Ouais. Je veux pas je te vends un peu de cam? J'achète pas moi de la cam, c'est pour les schlags. Mais t'es un schlag. Ça c'est toi qui le dis. Mais tu vois pas comment t'es à bout là? Tu fais que consommer. Et du coup, t'es un schlag du coup. Là, franchement, je vais pas te mentir. Je pense que je suis bien plus friqué que toi. Ah ouais, vas-y, t'as combien? 183 000. Je te crois pas, fils de pute. Sur la vie de ma mère. T'as 183 000 dollars? Ouais. Et tu fais quoi avec tout ça? On fait rien. Bah pour le moment, je sais pas, j'essaie de m'ouvrir un business. Mais j'ai tellement vendu de drogue que tu pourrais même pas savoir. Putain. Tu me rappelles quelqu'un, putain. Ah, ok, ça va. Putain, ça va, ouais. Moi, je suis là 183 000. Ok, ok. Putain. C'est bien, c'est bien. Je connais des gens qui veulent racheter de la cam. Je vais pas te mentir. Les marges elles sont pas assez grandes pour revendre à des gens qui veulent en racheter, je vais pas te mentir, putain. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est pour ça que... Soit t'arrives à avoir un monopole et tu te nies, et comme ça c'est toi qui gère,
soit comme moi. Qu'il y a beaucoup trop de... Ouais, t'as cru qu'un monopole, toi. Moi, j'ai la cocaïne, moi. La cocaïne? Ouais. Tu veux vraiment des mecs des 307? 305 307. 3, non, 307, 307. C'est où, ça? C'est pas très loin de chez nous. Non, laisse-moi voir. Vas-y. 307. Il y a un bar à côté, là-bas. Attends, tu vas me dire si c'est eux ou pas. Vas-y. Parce qu'il y a plusieurs mecs là-bas, il y a deux équipes. Elles s'appellent comment? Tu parles des Crips? Ouais, moi je parle de... des gens, putain, qui... Hier, tu leur as pas vendu de la cam, hier? Non. Bah, il y a une autre équipe, alors. Je pense que c'est qui fait de la coca. C'est qui, ces fils de pute? Ah bah, je sais pas, parce que... Oh, elle est où, l'équipe? Elle est où, l'équipe? C'est où, tout droit, là? Attends, c'est derrière nous, je crois. C'est là, droite, gauche. Regarde, c'est là, là, ici. Droite, gauche, ici, là. Cette équipe ici, là, qui habite là. Non. Bar de russe. Je vais te montrer, il est où, bar de russe. Voilà. Là, c'est 302, mais t'es complètement bourré, toi. Ferme ta gueule, je m'imagine une équipe à côté. Mais regarde, 307, c'est juste là, trou de cul. Bah, c'est le bar des russes, qu'est-ce que tu m'emmènes là-bas, là. Ok, c'est là. Voilà, à droite, là. Celui de droite, là, tu les connais? Ici, là. Derrière. Hein? Oh là, quel bâtiment. Ici, là, à droite. Ah, oh, vas-y, le bug, ouais, je te jure, j'en peux plus, ce bug, j'en peux plus. Ouais. C'est bon, ouais. Là, ici, à droite, là. Ah ouais. Vas-y, braque-les. Ok. Non, je rigole, c'est pas vrai. Waouh, vous savez que tu peux mourir pour ça. C'est vous, les habitez ici, là, à droite. Non. Oui, Rupert, tu crois vraiment qu'on habite dans des bâtiments de clochards comme ça? Je sais pas, moi. Non, quand même. Je sais pas c'est qui. Ça va, les mecs, tranquille? Oui, ça va toujours. Bon, c'est comment, là? Je suis là, ça va. Tu m'as demandé quoi, déjà, tout à l'heure? Ouais, ça va, des balles, comme la dernière fois. Tu fais quoi? Des balles, espèce de gros vendeur d'armes. Non, je rigole, je veux juste passer au bar en fait, monsieur, si possible. Le bar est fermé, quoi, là. Tu me casses les couilles, je te rappellerai après, d'accord. Mais pourquoi il est fermé? Parce qu'il y a personne pour bosser là. Ok, je comprends. Bah, dis-moi quand il est ouvert, j'aimerais bien passer. Vas-y, c'est bon, on se voit après. Bah, allez, c'est bon, t'inquiète. C'est qui ces mecs? Faut que tu me trouves ces mecs là qui t'ont dit. Pourquoi tu me dis ça? Ils te vendent de la coke? Eh ben ils m'ont proposé de la coke, ils m'ont dit qu'ils allaient être livrés dans la soirée, donc je pensais que c'était toi. Vas-y, appelle-les, t'as leur numéro? Ouais, je vais les appeler, attends. Appelle-les, vas-y, mets le haut-parleur. Le numéro que j'ai, il a pas de batterie, ce fils de putain. Et t'as mis quoi comme blast quand tu l'as enregistré son numéro, allez? Ticket. Ouais, non, ticket. Ticket. Tika, 23. C'est qui, fils de pute, là? Tika 23. Je te dis, c'est cette équipe-là, là. Demain, tu passes, enfin, demain, je les appelle ou quoi, ok, si tu veux. Rorim. Ici, ils vendent de l'héroïne, ici. Ils sont tous partis dormir, putain. Ok, je veux que tu me trouves ces mecs-là. Ok. Bah, tu vois, t'es pas solide sur tes appuis, putain. Je suis solide sur mes appuis, tu sais. Des gens qui peuvent avoir de la coke entre les mains ne veut pas dire qu'ils contrôlent un business. Ouais, c'est vrai. Beaucoup, t'en fais pas pour la solidité des appuis, d'accord? T'en fais pas! Ah, moi, je me fais pas de soucis, hein. Vous êtes tous des fils de pute pour moi. Et je vais t'enculer, tiens, prends ça dans ta gueule. Prends ça, fils de pute. Prends ça. Tu vois, aïe. Tu prends pour ta pute. C'est ça, votre problème. Hein? Non, je prends pas pour ma pute. Moi, je suis. Tu vois, tu parles avec des gens. Ouais, ça va, Rupert, mais Rupert. Et après, quand tu parles, ils t'insultent tous. Hein. Ouais, je sais ça.
Voilà, ben moi je suis là, je suis franc quoi. Franc du coulis comme on dit. T'avais pas un petit billet de 500 là pour tout ce que je t'ai dit? Va te faire enculer, t'as 180 000 dollars. Me parle plus jamais d'argent. Mais putain, mais j'ai pas le droit de te blesser. Alors, Orim. Ouais, petite question, je comptais aller me coucher, mais je viens de penser. Quoi? Il y a les gars qui devaient nous prendre des pochons sur non. C'est demain. Tu leur avais pas dit ce soir? Non, il m'a appelé, il m'a dit ouais, si on peut faire ça demain, c'est demain. Ok. Et vas-y, bah, c'est bon, je peux aller m'allonger. Ouais. Tu connais un certain TK ou DK? De chez où? De qui? Du Queens. Une équipe. Du tout. Non, zéro. Ok, vas-y. Vas-y, c'est tout, bien vu. Je voulais savoir ça. Vas-y, moi aussi, je vais dormir. Ouais. Allô? Ouais, bon, ça a coupé. Du coup, je vais me coucher, moi. Je dis, moi aussi, je vais dormir, de toute façon, là. Vas-y, ça marche bonne nuit. Vas-y. Ah, putain. Il s'appelle T-Day. T-Day? Ouais. Un T1D, 23. Donne-moi son numéro. 500 dollars, s'il te plaît. Donne-moi son numéro et je te donne les sous. Ok, je te fais confiance. Ok. J'ai que 400 dollars. Bah, tranquille, tu me donneras 100 dollars demain. Non. Cette info vaut 400 dollars. Quelqu'un qui est sur ton business, je te dis, c'est un qui est à peu près qui est sur ton business et elle vaut que 400 dollars. On verra s'il est vraiment sur le business. Là, je t'ai donné 400 dollars pour le numéro de téléphone, c'est différent. Ok. On est d'accord. Ouais, et pour tout ce que je t'ai dit, ce qui se passe en face, ça reste entre nous. Ah, viens d'ouvrir ton cul, putain. Mais tu crois que je suis une balance, moi? Tu crois que je suis une balance, moi? Tu me parles comme ça? Hein? Mais sous le coup de la colère, je sais pas moi. Ferme-la, je sais tenir ma langue, d'accord? Et c'est pas un zwart qui sent comme toi qui va me le dire. Excuse-moi, putain, ça y est, quoi, on ne peut plus te parler, quoi. Bon, allez, va dormir, moi je me casse. Ouais, allez, fais attention à toi. Ah, il vend de la drogue, lui là-bas. Allez, je vais l'enculer, allez hop. Fils de pute, qui a celui la bouche? Allez, toi, je vais t'enculer. Allez, c'est parti. Tu vends sur mon trottoir. C'est ça. Mais t'es un fou, toi. C'est mon trottoir ici. C'est mon trottoir sur ici. Sur mon trottoir. Tu fais quoi, mec, toi? Allez, putain. Allez, fils de pute. Sneak le, tu fais quoi sur mon trottoir, là? Vas-y, viens. J'ai mis le mode sport, t'es mort. Ah là. Je vais te choper. Ah, fils de pute. T'as besoin de courir, t'es fini. Sur mon trottoir là. T'es fini. Chope-le. Je le chope. Plaque-le. Ah, le bâtard. Voilà. Magnifique. On fait comment maintenant? Hein? Le trottoir. Aïe. C'est le trottoir à qui là-bas, hein? Avec tes gros serments là, tu crois t'es dans les années 2000 là? Ah putain. Écoutez. Je te vois plus sur mon trottoir, toi. C'est bon, vas-y, tranquille, on se revoit plus tard, bande de bâtards, va. Aïe. Viens ici, sale chien. Je vais te baiser. Ça se voyait trop avec sa gueule de con, la viens ici. Tu vas courir jusqu'à Manhattan. Cours, enculé, avant que je t'encule. Viens ici. Viens ici, je vais te baiser. C'est bon. Aïe. Ça chie, viens ici. Aïe. Aïe, fils de pute. Aïe. Enlevez-moi, je vais me le faire. Alors, sale petit raciste de merde. Aïe. Je fais l'enculé. Bon, c'est bon, t'as compris le message. Ah, bande de bâtards. Oh, c'est bien des soirs, toi. Bah ouais. Regarde, on est toujours quatre.
Ah, c'est con de venir tout seul aussi sur le trottoir là. Ouais, vous savez que je peux me faire face à vous, hein. Je peux vous enculer, mais là pas ce soir. Ah ouais, t'es fatigué ce soir, fébrile un peu. Aïe. Ah putain. J'ai voulu le prendre en photo, mon appareil il a pas voulu. C'est normal. C'est pas cousin. Magic, manque d'espace, son crâne, il prend trop de stockage. Ça c'est eux là. Ça c'est eux qui nous font ça là. Bah ouais, c'est Fernandez. Ça fait pas mal d'appeler les cops tous les soirs d'ailleurs pendant qu'on vend vous là. Vas-y cousin. Je me fais hanter cousin. Comment ça appeler les cops? Tous les soirs les cops ils tournent quand même, ils nous contrôlent tout le temps nous, mais jamais vous. T'es un malade toi, comment ça on appelle les cops? Ah bah je sais pas, ça va tout me le dire frère. Wesh, mais... Écoute. Si vous êtes en train de vendre, c'est logique qu'ils viennent. Vous vous faites balancer parce que vous savez pas bosser, vous êtes des ouarts. Ah non, c'est pas bosser. Ça, c'est ta faute, ça. Ouais, vous savez pas bosser, ouais. Ça, c'est ta faute, ça. J'ai un truc à te dire, d'ailleurs, là. Ouais, dis-moi. Par rapport au truc que tu m'avais proposé la dernière fois. Ouais. C'est comment? Quoi? Travailler sur la coke? Tu peux m'en pousser ou pas, toi? La coke? Ouais. Tu me la vends à combien? Unité? 100 dollars. Combien? 100. Ouais, je coûte. Je me fais baiser un peu, là. Non. Comment ça, tu te baisais? Ça se revend 140, ton truc, là. Ça se revend entre 140 et 150. Ok. Oh. Ouais. Tu fais ta marge, hein. C'est ce que t'achètes, t'es tranquille. En vrai... Lui, je vais le couper l'oreille, hein, putain, c'est pas possible. En vrai, c'est pas trop déconnant, en vrai. Et en termes de quantité, t'es comment? Je suis... Comment te dire que je suis dans des quantités faramineuses? Faramineuses. C'est-à-dire, là, si par exemple, comme ça, là, je te demande une tonne, tu peux me les sortir. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, le mec? 1 kilo, ouais. Un petit pipi, je pensais, reviens, Lemon. Ok, et du coup, ça me coûterait. Ça me coûterait 100 000. 100 000 dollars. Et je me ferais 140 000. Tu te ferais entre 140 et 150 000, ouais. C'est pas déconnant, Ray, hein. J'ai pas suivi. Je sais pas, ça parle de quoi. De cocaïne. De rachat de cocaïne. Okay. Et du coup là t'as ça en stock si je veux prendre ça là par exemple. Ouais j'ai ça en stock. Je te rappelle en fin de semaine alors. Après faut que tu me confirmes parce que je te dis fin de semaine tu te doutes bien que mon stock sera... Merde, je suis foncé ou quoi? Sera racheté par d'autres personnes. Ok. Bah je te confirme ça demain. Tu m'appelles demain. Vas-y bon. Demain je te dis. Ok on fait comme ça les Swarts. Allez, pars en courant là. Quoi? Voir comment tu cours. Comment je cours, de quoi? Voir comment tu cours vite. Ah, je me mets comme ça, je me mets en jambes. Et bam, je cours vite. C'est mort. Tu vas voir si c'est mort, viens ici. Mais comment il me rattrape si ce but là, c'est trop. Viens ici. Plus vite que toi, sache-le. Putain, les on est noir. Vous courez vite, hein. Il y a des lions qui me courent après, viens ici. Il est bloqué. Magnifique. Oh, le travail d'équipe. Niquez-le. Tiens. Mange le sol, tu crois que je suis qui, moi? Ah là, c'est avec les poubelles, tiens. Tiens. Putain. Magnifique. Allez, bâtard. À côté de ta maison, les poubelles. Ah, bande de bâtard. Regarde, t'es dans ta maison, là. Oublie pas Gullit, il était noir. Allez, on y va. Ah, putain. Allez, bâtard. Il est dans son environnement, dans les poubelles. Ils m'ont enculé, frère. Mais comment il court plus vite que moi comme ça? Mais ouais, j'arrive pas à me relever. Comment il court plus vite que moi comme ça, ces enfoirés? Ça y est, soirée pas soirée, je déconnecte ici.